Si vous voulez vous installer, s'il vous plaît. Non, mais j'étais... On va commencer, s'il vous plaît. Allez, on va procéder à l'appel, s'il vous plaît. Michel Nouaille, présent. Il est présent. Martine Soavi, présente. Oumar Dramé, je pense qu'il est au travail, il arrive. Elsa Touré, présente. Rénal Jourdain est présent. Assa, je ne l'ai pas encore vu. Elle arrive aussi. Frédéric Piau, présent. Sophia Louz, présent. Oscar Segura, présent. Fadila,
mais pas encore arrivée. Elle a donné son pouvoir, oui, à Frédéric Piot. Pierrick Gautreau, il est peut-être pas arrivé. Il va arriver. Italia est présente. Sylvain Renard est présent. Pascal Prigent est présent. Hichem, peut-être, je ne sais pas s'il est arrivé encore. Françoise Lopez est présente. Frédéric Bourges est présent. Hélène Pavamani n'est pas arrivée. Elle est là, pardon, elle est là. Elle est là, Hélène. Jacques Picard est présent. Sylvie Dayani a donné son pouvoir à Hélène Pavamani. Monia est présente. Clotaire Bonzi est présent. Daniel Leguet a donné son pouvoir à... Bon. À Pascal Prigent. Voilà. Alama est présente. Hervé Jacques n'est peut-être pas arrivé du travail. Francis est présent. Claire Jubin est présente. Diana n'est pas là. Fatima Lallemand est présente. Maxime Podolak est présent. Clémence Bigarnet est présente. Je l'ai vue. Elle est là, je l'ai vue. Voilà. Benjamin, je sais, il a donné son pouvoir à Francis. Ça ne m'étonne pas. Jenna Kinkela est présente. Animalite est présente. Pascaline Vanden est présente. Frédéric Garcia est présente. Sylvie Capron est présente. Jean-François Bell est présent. Éric Breton est présent. Volcan, il a donné son pouvoir à Sylvie Capron. Samira Ketfi est présente. Alexandre Marin n'est pas... Comment ? Il a donné son pouvoir à qui ? À Monsieur Bell. Régis Caudron est présent et Jean-Luc Raymond est présent. Je vous remercie. Je propose pour commencer la nomination donc, d'un secrétaire de séance. Voyez, tiens, Pascal Prigent, qui est un secrétaire de séance. Avant de commencer, attendez, je vais quand même. Non, on va le faire maintenant. Je voulais qu'on rende un hommage à un enseignant qui nous a quittés ces derniers jours, qui est malheureusement décédé, Goulevin Pennec, qui était enseignant de très longues années à l'école Picasso. Et donc, nous nous sommes rendus à ses obsèques hier à Quimperlé, qui était un hommage impressionnant de monde dans cette église de Quimpernay. Voilà, beaucoup d'émotions pour Goulevin, que nous étions nombreux à connaître ici aussi dans ses rangs, avoir des relations amicales aussi avec lui, un enseignant très apprécié. Et nous avons pu, en lien avec l'inspectrice d'Académie, Madame Bins, rendre un hommage aussi. Je remercie Michel Noy, qui s'est particulièrement engagé aussi pour que samedi, dans le quartier des Tarterets, de nombreuses personnes, anciens élèves, parents d'élèves, enseignants, ont pu se recueillir en la mémoire de Goulevin. Et je voulais commencer ce conseil municipal par une minute de silence en la mémoire de notre ami Goulevin Pennec. Je vous remercie. Je vous remercie. Hichem est présent, merci. Voilà. Et Diana est présente aussi. Donc, nous allons commencer. Je fais approuver le compte-rendu de la réunion du conseil municipal. Est-ce qu'il y a des observations ? Il remonte au 15 décembre. Monsieur Bell. Oui, je voudrais vous faire remarquer une nouvelle fois. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de monde présent dans l'Assemblée, mais 18 heures pour un conseil municipal, c'est se moquer de ceux qui ont des activités professionnelles normales dans l'Assemblée. C'est les empêcher de venir à l'heure. Donc, je pense évidemment
à notre collègue Marin qui est obligé de revenir, en l'occurrence pas de Paris, mais de La Ferté-Alais, de Mediaforêt, pardon. Donc il sera en retard à cause de cela. Aujourd'hui, en particulier, on a un conseil qui va, je pense, être très court par rapport au précédent, et il me semble que vous pourriez faire un effort. Bon, vous demandez de faire des conseils à 20h30, je comprends que ce soit tard, bien que ce soit l'heure normale pour un conseil. Vous aviez dit à un moment qu'on pourrait avoir 19h, qui nous paraissait être une heure convenable et permettant à tout le monde d'être là, ou à peu près tout le monde. Voilà, aujourd'hui, là, on était passé à 18h30, aujourd'hui à 18h, enfin bon, bientôt 14h peut-être, je ne sais pas. Donc en tout cas, voilà, je vous rappelle à vos bons sentiments à ce sujet et au respect des gens qui ont des horaires compliqués. Merci. Écoutez, moi je suis prêt à étudier, on en rediscutera avec la majorité. En tout cas, de nombreux élus sont présents ce soir et beaucoup, tous, ont des activités normales. Voilà, donc après, nous souhaitons aussi, Monsieur Bell, que voilà, cette assemblée pendant 6 ans ne coupera la parole à personne, laissera tout le monde s'exprimer. Vous n'êtes pas le dernier, vous n'êtes pas pour rien dans le fait que le dernier conseil municipal a duré plus de 6 heures. Donc voilà, soyons les uns et les autres raisonnables. Vous avez accès aux salles municipales de nouveau avec la sortie de Covid pour vous réunir. Vous avez tout loisir de vous exprimer toute l'année, tous les jours à Corbeil-Essonnes. Donc le conseil municipal, ça ne peut pas être non plus la tribune exceptionnelle tous les 1 mois et demi. Et donc voilà, moi, on travaille tous. Et effectivement, il y a ceux qui finissent un peu plus tard. Puis il y a ceux qui commencent tôt le matin. Et donc quand on finit à plus de minuit un conseil municipal, bah, c'est pas respecté non plus ceux qui se lèvent à 5h ou à 6h. J'en vois ici Maxime qui se lève tôt. D'accord. Donc voilà. Donc il faut qu'on trouve... Dans ce cas, monsieur le maire... Non, mais je vous coupe pas la parole. Vous n'allez pas me la couper non plus. Attendre 2 minutes que je finisse, monsieur Bell. Tranquille. Et donc voilà. Respectez les horaires de ceux qui finissent tard, ceux qui commencent tôt. Moi, je rediscuterai avec la majorité. Je ne décide pas tout seul de l'horaire auquel on commence. Donc on pourra revoir. Et puis soyons raisonnables ce soir. Effectivement, on a un conseil qui est plus léger. Et donc en fonction du sérieux des uns et des autres, à pas forcément intervenir 3 heures sur chaque point, eh bien, on peut commencer un petit peu plus tard. Je discuterai avec la majorité. Mais j'ai entendu le message. Voilà. Suggestion, si vous voulez des conseils moins longs, allégez-les un peu. Et pour les alléger, eh bien, programmez un conseil par mois, ce qui n'a rien d'extraordinaire, ce qui se fait dans la plupart des grosses communes. Voilà, ça me paraît très normal qu'on ait un conseil par mois. En tout cas, merci. Effectivement... Il y a beaucoup de points aux ordres du jour, moins ce soir. Le prochain sera sur les orientations budgétaires. Et il y a une grosse activité municipale, donc de nombreux points, fait plein de choses. Et ça ne fait que commencer. Donc il y aura effectivement des conseils lourds avec de nombreuses délibérations. Écoutez, on reverra pour le prochain. Mais vous voyez, le prochain, il y a le débat d'orientation budgétaire. C'est souvent des débats où chacun peut s'exprimer longuement, puisque c'est l'acte majeur d'une activité municipale de faire un budget. Donc voilà, on regardera ce soir le comportement des uns et des autres, pas finir trop tard, et j'ai entendu votre requête. À part ça, qui est contre le compte-rendu du dernier conseil? Qui s'abstient? L'ensemble de... Non, Jean-Luc, je ne sais pas vu aussi, non. Donc toute l'opposition, sauf Jean-Luc Raymond, les autres sont pour. Je vous remercie. C'est le point 5.1 qu'on retire. Il y a encore un peu de travail sur cette délibération importante. Donc on va retirer le point 5.1. Je le dis qui est un point intéressant, puisque nous sommes en train de travailler avec Martine Soavi et Hélène Pavamani à l'acquisition de fonciers dans le centre-ville pour avoir d'autres types de commerces, notamment que des épiceries. Mais ce sont des délibérations complexes, et donc on a encore un petit peu de travail, donc elle reviendra vers nous un peu plus tard. Je demanderai, quand on en sera là, s'il y a des membres de l'association Voisins Moulins Galants de ne pas prendre la délibération s'ils sont membres de l'association, puisqu'on va lui donner de l'argent. Voilà, donc des locaux. Et donc, point 1, Monsieur Renard, à vous de commencer
comme c'en est souvent l'usage. Oui, je vous remercie, Monsieur le maire. Il s'agit, comme habituellement, conformément à l'article L2122-23 du Code général des collectivités territoriales, de rendre compte au Conseil municipal des décisions que vous avez prises dans le cadre des délégations que vous a données le Conseil municipal. Donc la liste de ces décisions figure en annexe. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point ? Madame Garcia. Avec un petit micro. Le micro. Oui, j'ai une question à propos de la décision 2021/107 à propos de prestations de gardiennage et de sécurité. Elle concerne qui, s'il vous plaît ? C'est un marché à bon de commande qui a été attribué, donc voilà, pour une prestation, là, précisément la prestation... Je crois que l'intérêt de ce marché, c'était qu'à chaque fois qu'on a besoin de faire garder un bâtiment, pour une raison ou pour une autre, par exemple parce qu'on vient de l'acheter, pour une raison ou pour une autre, ça nous permet, ayant un marché, de faire appel à une société dont nous sommes sûrs, qui dispose des agréments nécessaires. Enfin, ça permet de ne pas décider d'un prestataire dans l'urgence ou dans l'improvisation, mais d'avoir à notre disposition seulement quand on en a besoin. Bien sûr, c'est un marché à bon de commande, donc on ne l'utilisera que si on en a besoin, à bon escient, à chaque fois que ce sera nécessaire. Je ne vois pas ce qu'on peut dire d'autre. Si j'ai bien compris, il s'agit donc de gardiennage de bâtiments. Je crois savoir aussi que Monsieur le maire bénéficie d'un service de sécurité. Et j'aimerais que vous nous donniez peut-être une information, ce n'est pas le point, mais à ce sujet, quel est le montant de ce gardiennage? Justement, je m'interrogeais si le gardiennage qui figurait là était celui qui était réservé à Monsieur le maire, puisque je crois savoir donc qu'il a un garde du corps, peut-être même deux. Le mot gardiennage n'est pas tout à fait applicable, me semble-t-il, à Monsieur le maire. Je ne sais pas. En tout cas, quand on a un garde du corps, en général, c'est fait pour vous garder. Hein. Je ne crois pas que ce soit fait pour autre chose. On parle de protection, hein. En général, mais enfin... Donc, on parle de protection, mais bon, on peut aussi parler de gardiennage. Moi, en tout cas, j'aimerais que vous nous communiquiez, s'il vous plaît, le montant réservé à la sécurité de Monsieur le maire, parce que je me rappelle qu'au cours du précédent mandat, vous aviez, pour certains, ironisé sur le fait que le prédécesseur, Monsieur Bechter, avait besoin de garde du corps pour se promener dans la ville. Et je constate que là, maintenant, avec le nouveau premier magistrat de la ville, c'est exactement la même chose. Peut-être justement parce que le précédent maire était celui qu'il a été. C'est un très mauvais argument, là. Excusez-moi, ouais, écoutez, ça n'a aucun sens. Relançons pas. Vous savez, on est une équipe municipale qui se tourne vers l'avenir, Madame Garcia. Donc le maire n'a pas de protection rapprochée. Il a un collaborateur qui l'accompagne, qui a d'autres fonctions au cabinet du maire, nombreuses sur l'ensemble des questions de sécurité, et qui est notamment, dans le cadre du cabinet du maire, un des interlocuteurs privilégiés de la commissaire de police, de monsieur le préfet, de monsieur le directeur départemental de la sécurité publique et des renseignements généraux. Je ne crois pas que ceux qui occupaient ces fonctions précédemment avaient ce type de relation-là avec les institutions que je viens de nommer. Il n'y avait vraiment pas de risque, d'accord ? Donc voilà, je vous ai répondu. Et puisqu'il s'agissait de gardiennage, effectivement, ça ne me concerne pas. Et donc, voilà, il y a un service de sécurité dans cette ville, bien sûr, qui travaille bien. Et ce n'est pas la sécurité du maire, c'est la sécurité de cette ville qui en a bien besoin. Voilà. D'autres questions ? Monsieur Breton. Merci, monsieur le maire. Oui, sur le point 2021-111, il y a un montant de 39 950 euros, donc juste inférieur à 40 000 euros. Je voulais savoir si pour cette étude, il y avait eu une mise en concurrence par rapport à d'autres sociétés sur le fait qu'il y ait déjà le choix d'une entreprise. Alors. Non, mais ça ne nécessitait pas, c'était pour l'étude sur le stationnement dans la ville, et ça ne nécessitait pas de mise en concurrence. Et donc, on est en dessous du seuil.
Donc à chaque fois qu'on a un marché en dessous du seuil, on respecte complètement les règles. Mais voilà. Attendez, excusez-moi. Vas-y, Frédéric. J'étais sur autre chose, mais il y a bien eu une mise en concurrence pour cette étude. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc avec un cahier des charges et voilà. Donc il n'y a pas de problème particulier. En dessous du seuil, d'ailleurs, il n'y a pas forcément de mise en concurrence. On peut informer qu'il y a mais c'est pas tout à fait la même chose qu'une mise en concurrence avec un appel d'offres, d'accord ? Voilà. Mais c'est Et quelle étude il s'agissait, comme ça on va donner des précisions. C'est l'étude circulation générale sur la ville, pas spécifiquement mobilité douce. Hein. C'est pour anticiper sur l'évolution de l'urbanisme, enfin essayer de prendre en compte les évolutions liées à l'urbanisme avec les nombreux projets qu'il y a dans la ville, pour avoir une vision globale et alimenter les travaux sur le PLU à venir. D'autres questions ? Merci Frédéric. Juste, j'entends bien, mais quand on dépense, même si c'est inférieur à ce que l'on a en termes de législation, on peut quand même s'assurer que le tarif est situé quand même, il est compétitif par rapport aux entreprises. Sinon, si on ne fait pas de comparaison, on peut acheter, faire tout et n'importe quoi. Là, je viens de vous dire qu'on avait fait une mise en concurrence, justement, pour avoir le meilleur tarif par rapport à des prestations et un cahier des charges qui a été fait. Voilà, donc on pourra vous communiquer l'étude, il n'y a pas de problème. Hein. OK ? Monsieur Bell ? Oui, je vais être un peu à contre-courant, mais il me semble que 39 990 euros, ce qui correspond effectivement juste à la limite, disons, en dessous de la nécessité de faire des appels d'offres, c'est pour une étude de sécurité, de circulation et de stationnement qui plus est, à l'échelle d'une ville de 52 à 56 000 habitants, qui fait 110 hectares, qui a 100 km de voirie, 200 km de trottoir. Tout ça me paraît extrêmement faible comme coût pour avoir une étude globale de circulation et de stationnement. Alors, ma question est, j'imagine, parce que pour avoir un coût si faible, certes en dessous du montant nécessaire pour atteindre, pour être obligé de faire un appel d'offres, et donc pouvoir choisir quelque part qui on veut, bon, je suppose donc que cette étude reprend l'ensemble des études de circulation et de stationnement qui ont été relativement nombreuses au cours des années, qui ont déjà démontré un certain nombre de choses et que j'espère que vous les reprenez. En tout cas, ça me paraît être une évidence compte tenu du faible coût de cette étude. Voilà, donc si vous pouviez me confirmer cette reprise, en tout cas cette mise en illustration dans votre cahier des charges de la nécessité de voir ce qui a déjà été fait avant de réinventer le fil à couper le beurre, ça serait bien, s'il vous plaît. Merci. Oui, écoutez, vous avez bien deviné, c'est ce que j'allais dire. Donc effectivement, on lui fournit toutes les études déjà réalisées depuis plusieurs années sur ce sujet-là, y compris les études qui ont été faites dans l'opération Cœur de Ville, où on parlait, il y avait eu pas mal de travail fait par rapport à cette problématique de circulation. Et c'est effectivement pour ça qu'il n'a pas tout à refaire. Et voilà. Alors c'est une société qui est largement connue hein, sur le marché, c'est ETC. Voilà, on n'a rien à cacher. On dépense au mieux l'argent. Alors il se trouve qu'effectivement, ça, c'est en dessous de 40 000 euros. C'est inférieur au seuil, c'est vrai. Mais on a conçu le cahier des charges pour tenter de respecter ce seuil. On est arrivé à nos objectifs en travaillant sur le cahier des charges. Très bien. Madame Ketfi. Bonsoir. Je suis déjà intervenue à plusieurs reprises sur ces délibérations en dessous de 40 000 euros qui permettent de s'éviter des mises en concurrence et d'engager en effet avec un marché avec l'entreprise avec laquelle on a envie de travailler. Moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est que vous nous confirmiez que tous les marchés qui sont inférieurs à 40 000 euros sont bien mis en concurrence, et notamment les marchés liés aux frais d'avocat. Encore une fois, je vois une convention d'honoraires pour la SAELARL Gaïa, dont le montant me paraît assez élevé,
220 euros hors taxes. J'ai appelé de nombreux cabinets pour leur demander quels étaient les montants moyens. Et a priori, lorsque l'on fait une mise en concurrence, on arrive entre 90 et 110 euros. Donc je suis assez surprise de ces montants élevés de frais d'avocat, même si j'ai bien compris qu'il n'y avait pas de possibilité. Enfin, là, vous aviez la possibilité, en dessous de 40 000 euros, de pouvoir choisir le cabinet avec qui vous souhaitiez travailler. Oui, on ne peut pas choisir. Je crois que je suis déjà intervenu en conseil municipal à ce sujet. On ne peut pas choisir un avocat uniquement en fonction de son prix. Je pense que si nous faisions ça, nous ferions une erreur. L'expérience a montré depuis maintenant un an et demi que disposer pour chaque affaire d'un avocat qui a une compétence particulière dans l'affaire que nous avons à traiter, que c'est un atout. Nous avons gagné plusieurs procès, nous avons mené à bien plusieurs négociations grâce à l'aide d'avocats qui ont une compétence particulière. Et c'est pour cela, en regardant évidemment différents tarifs, mais c'est pour cela que nous choisissons certains avocats. Et je maintiens que c'est une bonne décision et une décision financièrement bonne. Parce que ça nous permet de gagner des procès, d'obtenir des dommages et intérêts, etc., que nous n'obtiendrions pas si on n'adoptait pas ce principe. Après, on est les premiers, Madame Ketfi, à regretter de gérer une ville depuis de nombreux mois maintenant, avec autant d'affaires judiciaires et juridiques à traiter, qu'est votre héritage. Et je vous assure, malheureusement, il n'y a pas... un ou deux mois qui se passent sans que la justice nous interpelle pour des histoires passées. Et donc, on a besoin de bons avocats. Voilà. On a gardé, il y a des avocats qui travaillaient précédemment sur certains dossiers et avec lesquels on continue de travailler. Et d'ailleurs, notre travail a permis d'avancer. Je pense au fameux rue Émile Zola où il a fallu attendre des années pour en finir avec une copropriété qui avait brûlé, puis après, voilà, et c'est pas fini, sauf que nous, on a en 18 mois, enfin même moins, puisque ça fait quelques mois maintenant, nettoyé toute la place. Et un avocat, qui était là quand nous sommes arrivés, nous a aidés, et on y a mis le paquet, à résoudre ce problème, et il y a encore un travail important de nos services, suivi par Sylvain sur ces questions. Voilà. Donc, vous pouvez contester, enfin voilà, s'il y a des contestations à faire, faites-les. Et vous voyez, par exemple, c'est que le premier point à l'ordre du jour. Vous pouvez prendre toutes les décisions qu'on a prises qui sont complètement légales et puis essayer de trouver ce qui ne va pas, mais vous n'y arriverez pas. Donc voilà, quand on est en dessous des seuils, on est en dessous des seuils. On prend des avocats, Sylvain vous a répondu. On aimerait avoir moins d'affaires judiciaires à traiter, mais c'est le lot de l'histoire de Corbeil-Essonnes. Voilà, Madame Ketfi. Parfaitement. Je voudrais juste une réponse. En fait, ce qui me surprenait particulièrement, c'est que cet avocat, j'entends la réponse de Monsieur Renard qui explique qu'il y a besoin d'avoir des compétences spécifiques en fonction du cabinet l'on utilise. Ben oui. Mais en fait, là, je vois que ce cabinet, il est utilisé pour travailler sur de l'urbanisme et le retrait d'un permis de construire. Et en fait, je m'interrogeais parce que c'est également ce cabinet qui, aujourd'hui, assure la défense, il me semble, des candidats au départemental dont la décision sera prise demain. Oui, et alors il est où le problème ? J'ai été surprise, parce qu'en termes de compétences, je ne pense pas que ce soit de l'urbanisme. Et vous savez, Madame Ketfi, dans les cabinets d'avocats, il y a, selon la taille des cabinets, 10, 15, 20, 60 avocats. Nous travaillons notamment avec le cabinet Seban, qui doit avoir 60 avocats, l'un des principaux cabinets français, d'accord ? Et ils ont 60 compétences. Voilà, donc voilà, si vous voulez qu'on ne perde pas trop de temps ce soir... Découvrez pas la lune en disant que les cabinets d'avocats, ils ont des avocats pénalistes, ils ont des avocats spécialistes des marchés publics, spécialistes du personnel. Voilà, on travaille avec toute la palette d'avocats. Voilà, et on défend pour l'instant très bien la ville de Corbeil puisque on a gagné quasiment tous nos procès. Et certains, d'ailleurs, qui rendent vraiment service à l'intérêt général pour se débarrasser de personnel dont on ne souhaitait pas. On pensait que ce n'était pas utile de travailler avec eux. Voilà. On a gagné quasiment tous nos procès. D'accord ? Donc, voilà. Donc, faites-nous confiance. Monsieur Raymond.
Monsieur le maire, bonjour. Tant qu'on est à parler d'avocat, vous en êtes tous sur l'assignation que vous deviez me faire pour diffamation parce que je n'ai rien. Vous devez savoir que une diffamation... Attendez, monsieur Raymond, vos états d'âme et nos affaires privées ne regardent pas l'Assemblée municipale. Soyez pas impatient. Si, monsieur le maire, elle concerne l'Assemblée, puisque vous l'avez vous-même abordé J'ai répondu à une question. Deux fois. Non, je réponds à vos questions. Vous avez affirmé en public que vous m'attaquiez en diffamation, chose que vous n'avez pas faite, chose que vous ne pourrez plus faire, puisque vous êtes hors délai. Et on reparlera de ce que j'avais dit lors du prochain conseil municipal, au vu de la décision qui sera rendue demain. Tout à fait. Eh bien, on attendra demain. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'est bon ? Ben voilà, très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, donc le conseil municipal a pris acte. Merci beaucoup. Madame Pavamani, c'est vous qui allez rapporter sur l'approbation de la convention départementale d'aide exceptionnelle Action Cœur de Ville pour la commune de Corbeil-Essonne. Oui, bonsoir à tous. Alors, la commune de Corbeil-Essonne bénéficie de deux périmètres spécifiques, l'un Action Cœur de Ville et l'autre quartier prioritaire de la politique de la ville, la rendant éligible à une aide exceptionnelle votée par délibération de l'Assemblée du département de l'Essonne en date du 25 septembre 2017. À cet effet, la commune souhaite donc que trois projets situés au sein du quartier prioritaire de la ville, d'une part rive droite et d'autre part rive gauche, et remplissant les objectifs fixés pour la cohésion sociale et le renouvellement urbain des quartiers prioritaires de la ville, puissent bénéficier de cette enveloppe budgétaire d'un montant de 910 000 euros. Pour ce faire, la convention liant la commune de Corbeil-Essonne et du département doit être conclue afin de préciser les conditions d'attribution de l'aide exceptionnelle à l'opération Action Cœur de Ville et les modalités de vérification du bon emploi de la subvention accordée. Les opérations éligibles retenues sont donc les suivantes. La réhabilitation d'un bâtiment communal situé 15 rue Notre-Dame et pour lequel nous envisageons d'ouvrir une boutique éphémère. La restructuration de la parcelle située 47 rue du 14 juillet et le réaménagement de l'espace public du port au boulanger. Il est dès lors proposé au conseil municipal d'approuver la convention et les opérations précitées et d'autoriser le maire à la signer. Suite à cette intervention, y aura-t-il des questions ? Monsieur Bell. Oui, merci. Quelques remarques et puis quelques questions au milieu des remarques. L'approbation de la convention départementale qui va s'adosser au plan Action Cœur de Ville nous convient, ma foi, pas mal, puisque, évidemment, le principe... D'abord, nous avions, dans la précédente majorité, largement lancé ce dossier. On l'a étayé, on l'a présenté. Vous l'avez repris, on en est satisfait, il n'y a pas de raison. Et en plus, vous avez conservé le même personnel... qui s'en occupait, donc c'est parfait. Nous avions donc l'intention de voter pour cette délibération. On va voter pour, sans aucun problème. Néanmoins, vous avez retiré la délibération 5.1, sur lequel, par contre, donc cette délibération 5.1 faisait état en fait de l'application de la convention sur trois îlots d'immeubles qui seraient repris par dans le cadre d'action, enfin par Action Logement, c'est-à-dire qui seraient repris pour être transformés en logement social. Donc ça, c'est notre première remarque. Y a-t-il réellement besoin de recréer du logement social dans ce secteur ? Ça nous paraît pas opportun compte tenu de l'état du quartier. Et deuxièmement, il s'agit sur trois îlots qui sont repris dans cette délibération de détruire deux des îlots
pour faire du neuf et de ne conserver qu'un seul bâtiment, celui qui a d'ailleurs le moins d'intérêt architectural ou historique. Et ça nous déprime également, parce que, et ça nous aurait empêché de voter pour, parce que nous considérons que dans le quartier Saint-Spire en particulier, ou rue de l'Arche, etc., enfin tout ce secteur-là, on doit travailler absolument au scalpel, on doit travailler à la pince à épiler pour protéger ce secteur, le conserver, le revaloriser, et surtout conserver son âme. Or, démolir et reconstruire des bâtiments qui sont effectivement des bâtiments extrêmement anciens, qui sont parfois en très mauvais état, c'est vraiment dommage. Et jamais, 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 on ne retrouvera le caractère de ces bâtiments, même si les constructeurs de neuf mettent tout leur cœur à faire de la belle ouvrage. Donc ça, c'est la raison pour laquelle nous aurions voté contre. Et à moins que peut-être vous allez réviser cette délibération et que d'ici le prochain conseil, elle sera améliorée et que nous pourrons la prendre au mot et voter pour. Quoi qu'il en soit, sur la délibération 1-2, donc l'approbation de la convention départementale, bah écoutez, on n'a pas de problème sur ce que vous proposez. Néanmoins, on se pose un certain nombre de questions. Donc sur la réhabilitation du bâtiment communal du 15 rue Notre-Dame, vous avez fait beaucoup d'effets, beaucoup de publicité autour du fait que vous confiez, si je ne me trompe, le 15 rue Notre-Dame à des associations caritatives, et notamment, me semble-t-il, le Secours catholique. Je me trompe ou pas ? Je me trompe. C'est pas l'ancienne ressourcerie, le bâtiment du 15 rue Notre-Dame. Si, c'est bien ça. Donc je ne me trompe pas. Donc voilà, vous aviez confié à ces associations, donc notamment le Secours catholique, et l'autre, c'était le Secours populaire ? Bon, vous compléterez ma question. Donc, quid de ces deux associations qui donc vont être déménagées pour céder la place aux boutiques éphémères, ce que je trouve particulièrement utile. Deuxième remarque. Vous souhaitez, donc, dans le cadre de la restructuration de la parcelle du 47 rue du 14 juillet, c'est-à-dire l'ancienne école de Diffray de Bastide, la maison de quartier de la rive droite, vous souhaitez démolir une partie des bâtiments pour ouvrir sur la rue, enfin, qui est un espace d'ouverture en face de la rue Diffray de Bastide. Pourquoi pas ? Ça me paraît pas extraordinaire, mais quand vous mettez... Quand vous dites pourquoi, en fait, vous voulez installer un poulailler, un potager partagé pour créer du lien social dans ce secteur. Je trouve que votre proposition manque d'ambition. Donc j'aimerais bien, enfin quelle ambition, j'ai même envie de dire, j'aimerais bien que vous nous donniez plus de détails sur les raisons pour lesquelles vous voulez démolir ce bâtiment, créer une rupture dans la continuité historique de la rue, et ouvrir ce secteur. Enfin, sur le réaménagement du port au boulanger, donc si nous sommes évidemment favorables au verdissement de la ville et à l'utilisation d'endroits tout à fait emblématiques comme le port au boulanger, et donc sa transformation en espace vert me paraît effectivement extrêmement pertinent, nous y avions pensé et nous avions même imaginé reprendre une partie de l'ancien annexe de l'hôpital qui était en vente à l'époque pour étendre ce jardin du port au boulanger sur le fond de parcelle du centre psycho-éducatif de l'hôpital de Corbeil qui est tout à côté. C'est une excellente idée. Néanmoins, ça veut dire qu'on va supprimer une quarantaine, 45 places de stationnement dans un quartier où, pour le coup, il est extrêmement difficile de se stationner, bien que la zone bleue que vous avez mis en place ait amélioré les choses. Donc, que va-t-il advenir du potentiel de stationnement de ce port au boulanger ? J'imagine que vous allez le déplacer pour le compenser. Où allez-vous le compenser ? Voilà, c'était les questions que je voulais vous poser. À part cela, nous voterons. Merci. Alors, on va parvenir, Hélène va vous répondre, on va parvenir sur le 5.1, puisque si on le retire, ce n'est pas pour en parler. On va vous répondre sur le point, et Hélène va le faire, concerne le 1.2. Enfin, je veux quand même dire quelque chose sur le point 5.
qui est 5 combien 5-1 qui est retiré. Je pense qu'il vaut mieux retirer un point quand les choses ne sont pas prêtes. Hein. Oui, voilà. Et effectivement, il y a à réfléchir sur cet îlot. Donc, la réflexion sera assurée. Hein. Alors maintenant, je vais répondre point par point. Alors, concernant le 15 rue Notre-Dame, effectivement, il y a actuellement deux associations qui ont ce local, qui viennent de l'intégrer. Il a bien été spécifié à ces associations que c'était temporaire. Dans la mesure où ce bâtiment n'est pas en bon état, il y a des travaux qui sont absolument nécessaires et d'autre part, il y a une fonctionnalité à lui donner par rapport à l'opération Action Cœur de Ville. Hein, et donc, les associations ne seront pas mises à la porte Manu Militari, elles seront réinstallées dans un autre local. Ça, c'est la première réponse. La seconde réponse concernant le 47 rue du 14 juillet. Donc, le projet a été réfléchi avec l'architecte des bâtiments de France, Monsieur Ismaël, qui est extrêmement vigilant sur tout ce qu'on risquerait de détruire et effectivement sur la continuité du bâti rue du 14 juillet. J'aurais aimé que vous vous posiez les mêmes questions concernant le bâti au sujet de Casteljaloux. Hein ? Là, la continuité n'a pas vraiment été assurée. Donc, la réflexion, je vous la renvoie, Monsieur Bell, hein, mais rassurez-vous, nous ne pouvons pas faire n'importe quoi parce que nous avons un ABF qui veille vraiment au grain. Hein. Ensuite, le poulailler et le potager, eh ben oui, il y aura peut-être ça. C'est de l'ordre, je pense qu'il y aura d'autres choses parce qu'il y a des gens qui occupent ce lieu. Et puis, si nous nous sommes intéressés aussi à ce lieu, qui est un bâtiment communal, c'est parce que ce lieu est en arrêté de péril. Nous l'avons mis en arrêté de péril parce que de nombreux bâtiments communaux sont malheureusement en arrêté de péril ou mériteraient de l'être. Hein. Ce qui prouve qu'ils ont été fort bien entretenus précédemment. Hein. Donc, c'est ainsi pour le 47 rue du 14 juillet. Maintenant, concernant le port au boulanger, cet endroit, là encore, effectivement, si vous aviez préempté le bâtiment qui avait été mis en vente par l'hôpital, ça aurait été extrêmement judicieux. Que ne l'avez-vous fait ? Hein ? Donc, ça n'a pas été préempté, c'est occupé par un propriétaire privé, et donc il nous reste à aménager ce lieu. Hein, à le rendre un peu plus agréable. Hein. Il y a trois malheureux arbres. Le stationnement est absolument anarchique sur cette parcelle. Et il y a un espace canin qui prend une place considérable, qui est évidemment, qui n'est absolument pas utilisé comme tous les espaces canins absolument décoratifs qui ornent le centre-ville. Hein. Et donc, il y aura un réaménagement de manière à ce que les enfants puissent aller jouer dans un espace agréable pour que les habitants puissent profiter un peu d'une vue agréable sur la Seine et aussi sur les grands moulins. Hein. Quant au stationnement, il y a sur cette place 29 places plus une place PMR. Hein. Et donc, il y aura un aménagement qui respectera l'accessibilité des riverains, d'une part, et d'autre part, nous réfléchissons à des solutions effectivement compensatrices pour le stationnement dans ce quartier. Pour l'instant, vous vous tenez aux informations que nous sommes en mesure de vous dire. Nous ne faisons pas de plan sur la comète. Nous donnons des informations quand ces informations sont vérifiées, vérifiables et amorcées. Voilà. Bon, écoutez, voilà. Madame Ketfi. Oui, voilà, je voulais intervenir plutôt sur ces délibérations sur l'action Cœur de Ville, qui est, en effet, là, je rejoins Jean-François, une action de l'héritage,
puisque c'est l'équipe précédente qui a engagé l'action, le dossier Cœur de Ville, et qui l'a obtenu pour notre ville. Cette action, elle visait notamment à la rénovation des écoles du centre-ville qui était prévue. Et je voulais aussi rappeler que Corbeil-Essonne est composé de deux centres-villes, donc Corbeil et Essonne. Il était prévu dans le projet initial la rénovation de ces deux centres-villes. Je voulais savoir, donc ma question, c'est d'une part, est-ce que les deux centres-villes sont bien pris en compte dans les rénovations qui sont engagées, et est-ce que les écoles vont pouvoir bénéficier de ces rénovations? Je vais prendre l'exemple de l'école Galignani, qui est une école, d'ailleurs ça tombe bien, je crois que Madame Pavani, vous êtes la référente de cette école. Donc j'ai eu contact avec des parents d'élèves qui m'ont montré l'état déplorable de cette école où aucun d'entre nous ici ne voudrait y mettre ses enfants. Je pense qu'il est urgent d'engager des mesures de réfection. Oui. Donc je pense qu'il est important d'engager des mesures pour pouvoir rénover les écoles, et l'action Cœur de Ville peut justement être une action pour pouvoir en profiter et mettre à niveau les écoles. Vous allez me dire que ça n'a pas été fait, que ça aurait dû faire. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Moi, je ne vous parle pas du passé. Nos enfants, ils y vivent actuellement. Alors, je vais répondre peut-être, Hélène. Oui. Tu veux ? Voilà. Et puis après, on considérera qu'on aura débattu de ce point. Il y a eu des questions précises. Celle de M. Bell l'était. Hélène vous a répondu précisément. Juste deux, trois précisions sur cette délibération, parce que quand même une grosse blague, M. Bell. Quand nous sommes arrivés, vous aviez peut-être eu des pensées, mais aucun dossier sur cette délibération. Il s'agit de quoi, hein, que le public, et on salue les Corbeil-Essonnois et Corbeil-Essonnoises dans le public et ceux qui nous regardent, toujours plus nombreux, on pouvait bénéficier de plus de 900 000 euros du département, une enveloppe, 900 000 euros, pour, c'était ciblé, il fallait que ce soit à la fois cœur de ville et politique de la ville. Donc ça ne pouvait pas être n'importe où on puisse dépenser ce droit de tirage de 900 000 euros. D'accord ? Quand nous sommes arrivés il y a 18-19 mois, il n'y avait pas un dossier. Attendez. Écoutez-moi, à tel point, M. Bell, attendez, j'ai la parole, arrêtez de dire c'est faux. Attendez. Chut. À tel point que nous avons obtenu de M. Durovray, le président du département, le report d'un an pour travailler, sinon nous perdions le bénéfice de ces 900 000 euros. Ils devaient être dépensés l'année où nous arrivions. Il y avait une deadline. Zéro dossier, le département n'avait rien, pour qu'on puisse avoir les 900 000 euros. Il fallait des dossiers prêts, remis au département, et que le département dise, voilà, ça correspond, ça rentre dans les clous, on verse à Corbeil-Essonnes 900 000 euros. J'ai obtenu, lors d'un entretien avec le président du département, le report d'un an. C'est pourquoi cette délibération arrive maintenant. Nous avons travaillé, Martine, Hélène, sur ce dossier. Trois dossiers très pointus vous sont proposés, et aujourd'hui, nous avons l'assurance de récupérer plus de 900 000 euros pour les trois projets auxquels, manifestement, vous nous dites que vous aviez pensé, je n'en doute pas, mais pour lesquels vous n'aviez fait qu'y penser, puisqu'il n'y avait rien du tout. Donc, voilà sur ce point. Donc, merci les services Hélène et Martine pour votre travail, qui a fait l'objet de débats entre nous, parce qu'on aurait pu très bien, ces 900 000 euros, il y avait d'autres idées, et puis on a pensé que celles-là étaient les plus urgentes. Parce que, Madame Ketfi, je vous fais remarquer que vous nous avez expliqué pendant 18 mois que vous n'aviez pas été dans l'équipe précédente, mais là, vous venez de dire, Action Cœur de Ville, c'est nous qui l'avons gagné. Donc, attendez, vous n'en pressez pas. J'ai dit, c'est l'équipe précédente. Non, vous avez dit, je l'ai écrit, c'est pas grave. J'ai pas dit, c'est nous. Si, ne dites pas, mais non. Si, vous avez dit, c'est nous qui avons obtenu. Mais les Corbeil-Essonnois, c'est pas grave. Regardez la vidéo, il n'y a pas de sujet. Et d'ailleurs, ce n'est pas notre héritage, c'est l'héritage des Corbeil-Essonnois. Parce que nous sommes tous là et ils ne vivent pas au rythme de la politique comme vous. Madame Ketfi, laissez-moi finir. Vous vous préoccupez, donc voilà, pour M. Bell, rien n'était prêt, nous avons travaillé, les Corbeil-Essonnois vont bénéficier de 900 000 euros pour trois projets urgents. Parce que vous vous inquiétez de l'état de l'école Galignani, mais d'abord, Madame Ketfi,
De nombreuses écoles sont dans un état déplorable. Déplorable. Steg, etc. Déplorable. Et qui peut... Léon Cassé, enfin voilà, je peux toutes les citer, parce que tous les élus qui siègent, eux, dans les conseils d'école, héritent, pour le coup, d'écoles... Je vous dis, je suis le maire de Corbeil-Essonnes, je vous regarde, les écoles sont encore trop nombreuses à être dans un état déplorable. Il va nous falloir des années, la somme, combien ? 17 millions. 17 millions d'euros, il va falloir trouver 17 millions d'euros pour mettre à jour des écoles qui ne sont pas dégradées depuis 18 mois, soyez sérieuses. Ça fait des années qu'elles sont dégradées. Ça viendra s'ajouter attendez, aux 69 millions d'euros qui ont déjà été engagés. Madame Ketfi, vous n'allez pas me couper tous les 5 minutes, d'accord ? Vous me laissez finir. Donc, on donne des choses précises. En 18 mois, on a compté qu'il y en aurait pour 17 millions d'euros pour remettre à jour les écoles. D'accord ? Donc, vous nous avez raconté des histoires sur la priorité des écoles. 17 millions d'euros, il va falloir une PPI pendant des années pour les remettre en état. Donc, nous dites pas que vous êtes choqués par ce que vous trouvez à Galignani. C'est comme ça dans de trop nombreuses écoles. Quant à au 14, la rue du 14 juillet au 47... C'est pareil. Ça ne s'est pas dégradé depuis 18 mois. Nous avons honte quand nous allons dans ce lieu qui accueille des enfants le soir. Honte. Ça fait des années que ça s'écroule là-bas. C'est en péril. D'accord ? C'est l'état du patrimoine que nous trouvons. Eh bien voilà, on a travaillé en 18 mois. On va sécuriser ce lieu. Voilà, ça, c'est des réponses précises. Ensuite, voilà, on a répondu à ces questions. Si vous voulez qu'on finisse tôt, on est sérieux. Il y a une délibération que je ne doute pas que vous allez voter parce que c'est trois dossiers majeurs où on dépense 900 000 euros pour améliorer le bâti ou le commerce ou le réaménagement de l'espace public. Voilà, nous, on le fait, d'accord ? Pour ce qui est des deux associations citées, pour l'instant, elles sont accueillies, effectivement, rue Notre-Dame, et nous sommes bien contents des associations majeures de notre ville, solidaires, et quand on commencera des travaux, elles trouveront mieux, nous accueillerons ces associations dans de meilleurs locaux encore que ce qu'elles ont, elles ont aujourd'hui. Voilà ce qu'on peut vous répondre. Je vous propose maintenant... Non, vous posez des questions, on vous répond et on passe au point suivant parce que non, mais sinon... J'ai pas de réponse, allez... justement. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, mais aujourd'hui, ma réponse, elle n'est pas de me parler du passé. Qu'allez-vous faire pour l'école Galignani ? 17... Est-elle bien inscrite dans les rénovations, dans le cadre de l'action Cœur de Ville. Je voudrais juste terminer. Pardonnez-moi. Est-ce que les actions de rénovation sont bien engagées ? Je ne vous parle pas des 17 écoles, des 32 écoles de la ville. Je ne vous parle pas de mettre 17 millions. Ce que je vous parle, c'est d'une école en particulier. Certainement qu'il y a d'autres choses à faire. Je n'en doute pas un instant. Aujourd'hui, l'école Galignani mérite... J'ai été interpellée par des parents d'élèves. Les parents d'élèves, je sais que vous les avez vus hier, notamment certains d'entre eux qui vous ont sollicité. Ils vous ont aussi vu le 7 décembre. Aujourd'hui, ils attendent pas des paroles, ils attendent des actions. Donc ma question est, qu'allez-vous engager pour l'école Galignani ? Est-ce que cette école, qui fait partie du centre-ville de Corbeil-Essonnes, va-t-elle bénéficier de l'action cœur de ville ? Ce sont des réponses, enfin des questions très claires. Et les réponses qui sont apportées ne le sont pas, pardonnez-moi. Étonnée. Alors, Hélène. Alors, une réponse. Concernant les écoles, bon, Action Cœur de Ville, c'est un budget d'État, d'accord ? Donc, il faut se positionner. Pour les écoles du périmètre, nous essayons, ce n'est pas gagné, nous essayons de nous positionner concernant un bilan énergétique et une amélioration des conditions énergétique sur deux écoles prioritairement en action cœur de ville que sont Galignani et Léon Cassé. Mais, je répète, nous essayons, nous travaillons en lien avec la Banque des Territoires, hein, il faut monter des dossiers, il faut avoir des bilans que les services techniques sont en train d'essayer de mettre au point. Hein. Ce n'est pas gagné. Nous sommes 222 villes en action cœur de ville. Et donc, nous essayons de nous positionner. Et vous savez bien qu'Action cœur de ville, qui vous tient à cœur, est tant mieux. Hein. Action cœur de ville a tellement de choses à régler et à envisager que si les fonds étaient beaucoup plus généreux, eh bien, il se ferait beaucoup plus de choses.
pas de problème. Voilà, merci. Un dernier mot, Monsieur Bell, pour qu'on finisse dans des horaires raisonnables. Oui, je suis... Bon, écoutez, cette fois... Tiens, je vais faire mon Piriou, monsieur Piriou. C'est ambitieux. Voilà, on a le temps. Quoi. C'est prétentieux, même. De sujets importants. Donc moi, je suis quand même... Enfin, je suis choqué par ce que j'entends. Le projet Action Cœur de Ville, il a pour objectif de revaloriser la ville, de permettre... des interventions, notamment sur le bâti privé, c'est un des rares contrats qui permet à la collectivité de financer et d'aider le secteur privé et les bâtis privés, ce qui est hors espace public et hors bâtiments communaux, à pouvoir progresser vers le haut. C'est très rare. Hier, au conseil d'agglomération, vous n'étiez pas là, je crois, monsieur... J'étais à l'enterrement de monsieur Goulevin. Ah oui. Vous avez une autre question ? Il y a eu donc une partie des délibérations qui était consacrée aux dotations départementales à la collectivité. Donc, je crois savoir que Corbeil-Essonne doit bénéficier de rentrer dans une enveloppe de 11 millions d'euros de crédit. Si nous utilisons cet argent pour rénover des écoles... Alors que les écoles, c'est de la responsabilité de la commune, c'est de la responsabilité du budget communal. Et qui est Action Cœur de Ville ou pas Action Cœur de Ville, c'est de sa responsabilité. Que sur les écoles, on peut obtenir des subventions du ministère, enfin des ministères, des régions, des départements, sur ce secteur, le secteur scolaire. On ne va pas aller dépenser de l'argent, le maigre argent qu'on va récupérer pour Action Cœur de Ville et qu'on peut flécher vers le secteur privé. Enfin, vers les secteurs privés de la commune, pour faire ce que l'on aurait dû faire ou ce que vous devriez faire. Je viens sur l'école. Pendant les mandats de Serge Dassault, il a été dépensé une vingtaine de millions d'euros dans la reprise du patrimoine que nous avions hérité à l'époque, 20 millions d'euros, pour rénover, et ça a été essentiellement de la rénovation et de l'entretien des 30 écoles de l'époque. Sous les mandats de Jean-Pierre Bechter, il a été dépensé 60 millions d'euros. 69 millions d'euros. Et nous avons les documents qui en ont fait la publicité régulièrement pour rénover et construire aussi des nouvelles écoles. Et moi, ce qui m'attire dans ce dont a parlé Samira, c'est le fait qu'elle a parlé des écoles... de l'école Paul Bert. L'école Paul Bert, ça doit être Galignani, Paul Bert, moi je vais parler de Paul Bert en même temps, ou de Jules Ferry, ou de l'école, comment s'appelle-t-elle, Steg, qui sont des vieilles écoles. Ces vieilles écoles qui ont été construites à la fin du 19e siècle, en tout cas tout avant 1914. Ces vieilles écoles qui ont donc entre 100 et 120 ans. Ces vieilles écoles qui rendent service aux enfants de notre commune depuis 100 à 120 ans et qui ont fait l'objet de travaux, mais alors vraiment, c'est vraiment ridicule. C'est-à-dire que depuis 100 à 120 ans, on a peut-être mis 2-3 couches de peinture dans les classes, on a changé pas plus d'une fois les rideaux de Jules Ferry, ça j'en suis sûr, j'avais les mêmes rideaux que quand j'y étais que les enfants d'il n'y a pas très longtemps. Et voilà. Donc ces écoles qu'on a construites il y a 120 ans, elles n'ont pratiquement rien coûté en entretien. Pendant ce temps-là, dans les années 70-80, on a construit l'école Langevin. On a été obligé de la raser pour la reconstruire. L'école Picasso, on a été obligé de la raser pour la reconstruire. Et encore, ça a été fait deux fois dans les 30 ans, etc., etc. Et j'ai peur, malheureusement, bon, je pense que les dernières écoles qu'on a construites m'ont l'air, comme ça, d'apparence en tout cas assez solide et plus près, plus en rapport avec ce qu'on faisait autrefois que ce qui avait été fait dans les années 70-90, mais j'imagine que ça ne sera pas parfait comme ça l'était à l'époque. Donc il me semble que, effectivement, sur ces écoles, Jules Ferry, Paul Bert, Galignani, etc., et Audifred Bastide, anciennement Audifred Bastide, Bourgoin, bon, etc., j'en oublie, pardonnez-moi, il faut mettre le minimum et qu'on n'aura jamais à mettre les centaines de millions d'euros, les dizaines de millions d'euros qu'on a à mettre dans des écoles qu'on est obligé
soit de rénover avec des matériaux compliqués, soit de démolir et de reconstruire. Enfin, et je termine par ça, Monsieur Piriou, on vous prend très souvent en train de mentir. On vous prend très souvent en train d'arranger la vérité à votre façon. Donc sur l'affaire de Action Cœur de Ville, c'est un exemple. Là, vous nous expliquez que vous avez tout fait depuis le début, qu'on avait pensé, c'est-à-dire il y a une petite bulle dans votre bande dessinée avec la précédente municipalité a une petite lampe au-dessus de la tête, elle avait pensé et rien fait, et vous, le sauveur, vous êtes arrivé et vous êtes magnifique, Monsieur Piriou, vraiment, vous êtes extraordinaire, vous êtes le phénix. Attention à pas vous brûler les ailes en grimpant vers le soleil. Donc, évidemment que ce dossier avait été amplement travaillé, évidemment qu'il avait fait l'objet de travaux préparatoires avec le département, avec la région, avec l'EPFIF, avec Action Logement qui s'appelait autrement avant, avec la Caisse des dépôts et consignations qui s'appelle désormais la Banque des territoires, avec le Conseil régional, et que nous avions sorti un certain nombre de documents. Évidemment, je tiens à votre disposition tous les documents, puisque j'ai travaillé sur ce dossier, à votre disposition, quand vous voulez, pour démontrer que nous avons raison et que, effectivement, vous racontez des histoires. Mais comme le dossier que vous nous présentez est très similaire à celui que nous avions préparé, eh bien, nous voterons naturellement pour. Tout va bien. Alors, écoutez, je pense que... Je pense qu'il faut se recadrer sur le point 1, 2, s'il vous plaît, Monsieur Bell. La réponse que j'ai faite à Madame Ketfi concernant les écoles, c'est une opération très ciblée, et Action Cœur de Ville n'a pas vocation à réparer toutes les écoles de la ville. Il n'y a pas de problème. Bon. Et d'autre part, vous aviez commencé à travailler sur Action Cœur de Ville et nous poursuivons. Voilà. C'est tout. Très bien. Alors, qui est pour ce point? On va passer au vote, s'il vous plaît. Quelles histoires? Il n'y a pas d'histoire là. C'est tout. Bon. On travaille. Merci. Attendez, je pense qu'on a débattu. Plus vous nous racontez l'état des écoles, plus vous vous enfoncez, parce qu'effectivement, c'est ce qu'on trouve. Et donc, plus nous, on va travailler. Je n'ai pas eu ma réponse sur les deux centres-villes. Oui, mais écoutez, point... ça suffit. Alors, je réponds. Hélène, je réponds, oui, il y a un périmètre. Action Cœur de Ville. Il y a deux centres-villes à Corbeil. C'est l'histoire de Corbeil-Essonne. Voilà. Et donc, ces deux périmètres seront pris et sont pris en considération. Et en plus, on essaie, ce qui n'a pas été fait, parce que c'est ça, d'essayer de lier mieux ces deux centres-villes. Voilà. Écoutez, merci Hélène. Le cœur de ville, vous n'avez pas fini d'entendre parler. On va en parler pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est le grand chantier de notre mandat. Il est l'attention des plus hautes autorités de notre pays, de l'État. Je déjeune chez Monsieur le Préfet vendredi midi avec le président national de la Caisse des dépôts. Et nous avons obtenu la semaine dernière 1,5 million d'euros de l'État, ce qui est assez exceptionnel sur des dossiers que nous avons maintenant préparés, notamment la réflexion de la place du Comte-Aimont, avec notre travail, parce que nous avons fait un choix politique, c'est de libérer la place de la voiture dans le centre-ville de Corbeil. On a un dossier qui arrive à maturité. Nous avons obtenu 11 millions d'euros de l'agglomération pour le centre-ville et les allées Aristide-Briand. Je dis « nous » parce que, pour le coup, nous l'avons obtenu. Comme le doublement, et ça a été une délibération il y a quelques mois, de l'enveloppe de l'agglomération pour aussi la place du marché et la halle du marché. Soyez pas impatients, parce que c'est vrai, nous avons une grande chance, cette majorité municipale, c'est que nous arrivons aux responsabilités de cette ville au moment où s'offrent à nous d'énormes opportunités qui sont pas de notre fait, pas du vôtre. Le fait que Hélio Corbeil soit en devenir, c'est une opportunité. Le fait que les grands moulins
Et personne, c'est pas la responsabilité des maires, quels qu'ils soient. Le fait que les grands moulins se reconcentrent sur une autre partie de leur territoire et qu'ils ont mis en vente la partie qui est juste en face de nous, c'est l'histoire industrielle de ces deux entreprises et donc des mutations foncières. Et puis il y a notre travail, et c'est vrai qu'on a l'opportunité d'avoir des dossiers passionnants. Vous voyez, Hélène, on pourrait même ne pas l'arrêter, tellement elle est passionnée, avec Martine, tous les élus qui bossent sur le centre-ville de Corbeil-Essonnes. Et donc, vous aurez de nombreux rendez-vous dans les semaines qui viennent. On peut vous donner plusieurs dates où les Corbeil-Essonnois vont pouvoir donner leur avis sur tous les projets. Elio, c'est le 17, je vous donne rendez-vous dans cette salle pour une nouvelle réunion publique. J'en donne une que je confirme, je l'avais évoqué avec la majorité, j'en ai eu la confirmation ce matin. Le 10 mars, notez bien, ce sera une soirée exceptionnelle. Le 10 mars, ici, nous présenterons avec le groupe Soufflet et le groupe qui a été retenu pour transformer les Grands Moulins. Nous présenterons en priorité au Corbeil-Essonnois. C'est tellement prestigieux ce qui va se faire en face que même le groupe qui est porteur du projet voulait une conférence de presse nationale dans les grands salons nationaux qui portent des projets exemplaires en France. Et j'ai souhaité, avec les élus, qu'on donne la prime au Corbeil-Essonnois. Et donc, dans cette salle, à 18h30, le 18 mars, nous présenterons, le 10 mars, pardon, le projet des Grands Moulins de Corbeil, qui est fantastique. Et on va se battre aussi pour que les Corbeil-Essonnois accompagnent ce projet, puisque c'est un concours privé, auquel, évidemment, nous avons été associés et travaillé depuis 18 mois. Et donc, voilà, jusque février, mars, avril, dans les mois qui viennent, il y aura de très, très nombreuses réunions publiques pour que les Corbeil-Essonnois s'approprient la transformation des deux cœurs de ville, des centres-villes de Corbeil-Essonnes. Et puis, on s'intéresse, et c'est une autre chance, à tous nos quartiers. Pour que Corbeil-Essonnes fonctionne, il faut à la fois refaire le centre-ville et transformer nos quartiers. Et il y aura une réunion publique prochainement sur la nouvelle étape de transformation du quartier des Tarterets. Et j'ai bon espoir que la nouvelle directrice de l'ANRU, qui vient d'être nommée, s'est engagée à venir nous voir, visiter le quartier, puisque c'est l'ANRU qui va, pour une bonne part, financer la transformation des Tarterets. Et puis on avance sur les autres, mon conseil, etc. Tous les quartiers doivent faire l'objet de notre attention. Qui s'abstient sur cette délibération? Qui est contre? Merci d'être pour et de récompenser le travail d'Hélène et de Martine et des services et des 900 000 euros qui vont venir abonder ces trois projets. Merci à vous, Madame Louze. Bonsoir. Donc c'est l'acquisition en VFA par la société d'HLM CDC Habitat Social de 90 logements situés au 74 boulevard Henri Dunant à Corbeil-Essonnes. Octroi de garantie d'emprunt auprès de la Caisse des dépôts et consignations. En B, convention de gestion de la garantie communale avec réservation de 7 logements. Il est proposé au conseil municipal d'accorder sa garantie partielle pour le remboursement d'un emprunt de 9 millions... ouais, c'est ça. 9 983 000 euros 458 contractés par la société d'HLM CDC Habitat Social auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour l'acquisition en VFA de 90 logements situés 74 boulevard Henri Dunant à Corbeil-Essonnes et d'approuver la convention de gestion de la garantie d'emprunt avec réservation de 7 logements. Y a-t-il des questions? Alors, Monsieur Bell. Monsieur Bell, allez-y. C'est moi qui distribue la parole, allez-y. Pardonne-moi. Est-ce que cette acquisition de... Alors, donc là, on a affaire, encore une fois, à un immeuble qui était construit, qui était construit et destiné probablement à la copropriété, à la vente, à la découpe et donc à l'arrivée de nouveaux... propriétaire ou investisseur sur la ville qui aurait participé à l'amélioration, on va dire, du niveau moyen de la population de la commune. Et comme c'est arrivé malheureusement trop souvent, avant que les immeubles soient mis en vente, une SA HLM,
une société de HLM est venue, a passé un accord avec le promoteur qui était bien content de vendre tout d'un bloc, d'un seul coup. C'est ce qui a failli nous arriver sur le centre-ville et le site de l'ancien tribunal. Et donc, on se retrouve avec donc une SHLM qui prend l'ensemble du dispositif et qui va transformer donc un immeuble qui était prévu initialement avec une destination en SHLM. La question que je voulais vous poser, donc évidemment, nous sommes hostiles à cette transaction. La question que je voulais vous poser, Monsieur Piriou, vous avez lors des dernières interventions que vous avez faites dans le dernier conseil, vous avez rappelé ce que vous aviez d'ailleurs déjà évoqué dans un autre conseil, le fait que vous souhaitiez et que vous aviez obtenu l'arrêt de la construction de deux bâtiments en HLM en l'occurrence, qui devaient être construits entre le boulevard Allende et le nouveau parc de mon conseil. Est-ce qu'il y a un lien entre l'arrêt de ces projets? D'abord, s'arrêtent-ils réellement, ces projets? Puisqu'on voit actuellement des travaux sur ce secteur et on s'interroge sur la réalité de ce que vous avez dit, d'une part. Et d'autre part, est-ce que, parce que la suppression de deux grands immeubles HLM dans la ville, c'est des compensations à toutes les démolitions que nous avons faites pendant des années sur les quartiers en rue qui disparaissent. Donc, si vous obtenez la disparition de ces deux HLM-là, enfin de ce, je sais pas, 60 ou même 100, plus de 100 appartements, je pense, eh bien, il va falloir reconstruire ces 100 appartements en HLM quelque part. Est-ce que cette opération-là est liée à cette disparition de projet? Est-ce que, et à quel endroit, si ce n'est pas le cas, à quel endroit allez-vous provoquer le remplacement des des deux immeubles de HLM du boulevard Allende que vous souhaitez voir disparaître, si tant est que vous aboutissiez. Merci. Ok, Monsieur Breton. Oui, je voulais savoir si vous pouviez nous communiquer actuellement le taux de logements sociaux sur la ville. D'accord. Madame Ketfi. Oui, juste une question concernant les logements avec les réservations qui sont réalisées par la ville. Nous avions voté lors d'un précédent conseil municipal la création d'une commission d'attribution de logements et je ne l'ai pas encore vue se réunir. Je voulais avoir de la visibilité sur cette commission. Merci. Il n'y a plus de questions, on va faire comme ça, on prend toutes les questions, on vous répond et puis on vote. D'accord ? Ça me paraît une bonne tenue, mais on répond à tout. D'abord, la délibération que nous avons ce soir est un dossier, pour le coup, qui était en cours. Alors, ça vient à maturité aujourd'hui. Pour le coup, c'est votre projet. D'accord ? Et c'est vrai, hein, plus c'est gros, plus ça passe. Mais vous m'étonnez toujours, Monsieur Bell, parce que vous nous dites des opérations trop souvent comme celle du tribunal. Mais c'était la vôtre, hein, je suis désolé. Enfin, c'est pour le coup... alors, un coup, c'est vous, un coup, c'est pas vous. Mais enfin... Nous avons justement fait arrêter sur le projet du tribunal une opération de promoteur privé qui, au moment où ça arrive à maturité, vend tout en bloc pour du logement social. Ça, c'était votre projet sur le tribunal. On l'a arrêté, celui-là. D'accord ? Celui-là, c'est un projet qui suit son cours. C'est une résidence intergénérationnelle. On a une réservation de 7 logements. C'est un projet qui arrive à maturité. Et la garantie d'emprunt qui passe ce soir... acte ce projet. D'accord ? Donc ça, c'est la délib de ce soir. Rien d'extraordinaire. Vous posez une question précise sur mon conseil et donc le travail que nous faisons, tous les élus de mon conseil, Martine, etc., qui bossent sur ces dossiers. J'ai bon espoir d'obtenir, et ça sera une très grande victoire. Imaginez... On est en train d'y travailler. J'ai toujours dit que nous sommes en train d'y travailler avec la direction. Attendez, tranquille. Attendez. Vous aviez acté la construction de trois nouveaux immeubles à mon conseil. Ça, c'est votre travail. Au scalpel, comme vous dites. Moi, je dirais plutôt la pelleteuse. Trois nouveaux immeubles à mon conseil. Quand on arrive, nous, il y a
encore du bétonnage de mon conseil. Attendez, si, trois immeubles. Bon, ça, c'est, on arrive, il y a ça. Et nous, on discute avec les habitants. On a de plusieurs élus dans cette majorité qui habite le quartier de mon conseil. Et on dit, si on peut arrêter de densifier le quartier de mon conseil, on va essayer de le faire. Donc, ne nous dites pas qu'on bétonne. On essaie d'arrêter de bétonner ce quartier. Attendez, non mais on précise les choses. Et moi, je pense aux 10 000 habitants de mon conseil qui est devenu le premier quartier de Corbeil-Essonne, avec quasiment aucun équipement public à part une école en PPP qui nous coûte, qui contribue à l'endettement de cette ville pendant des années, d'accord ? Donc, et quasiment aucun service public qui accompagne l'arrivée des 10 000 habitants. Ça, c'est ce qu'on trouve. En 18 mois, j'ai bon espoir d'arriver avec la direction, ça se traite au niveau national, avec I3F, qu'on arrête de construire ces trois immeubles. Vous aviez réalisé ce que vous appeliez un parc. Nous, on trouve que ce n'est pas un parc. Ce n'est pas Mme Malit qui me démentira, qui habite juste en face. Si ça avait été un beau parc, elle s'y promènerait tous les jours. Je ne crois pas que ce soit le cas. Et donc, on va essayer, Monsieur Bell, d'élargir le parc et d'en faire un vrai parc. Un vrai parc. À la place de deux immeubles, boulevard Allende, et d'une parcelle, quand on regarde l'école Langevin, à gauche, en face du centre commercial, il devait là où des enseignants, des habitants du quartier sont en train, avec nos services, de transformer une parcelle qui devait être construite en jardin partagé. Voilà. Ça, c'est notre projet. J'ai bon espoir d'y arriver. Il y a évidemment des incidences financières, puisque I3F avait valorisé ces terrains, et nous, on leur dit, vous n'allez pas construire là. D'accord ? Et il y aura à réfléchir ce que nous sommes en train de faire, à effectivement comment on peut compenser des constructions qu'ils souhaitaient faire, mais ailleurs que dans le quartier de mon conseil, qui est complètement blindé. Et d'ailleurs, nous avons, pour ça qu'on est très contents d'être à la destinée de cette ville, des projets majeurs devant nous, comme le devenir de l'ancien hôpital. Pour l'instant, nous travaillons. Nous avons gagné des années pour pouvoir travailler, puisque, pareil, votre projet était de construire des centaines de logements. Et comme vous savez que les promoteurs, ils parlent à tous les maires. Donc ceux qui parlaient avec vous, en l'occurrence Cogedim, qui avait été retenu pour bétonner l'ancien hôpital, bétonner des centaines de logements, ils nous disent tout le mal des caprices de l'ancien maire qui voulait faire une mare, enfin, etc., qui coûtait une blinde. Et plus il fallait creuser pour faire un lac, et bien plus on faisait de logements. Voilà ce qu'ils nous racontent, les promoteurs. D'accord ? Et ça, c'est votre scalpel à vous. Voilà ce qu'on trouve. Eh bien, nous, pour l'instant, on dit on prend le temps. Nous associerons les habitants de mon conseil sur le devenir avec des équations financières bien compliquées, puisque, évidemment, l'EPFIF, qui est aujourd'hui propriétaire du terrain de l'ancien hôpital, va pas le donner. C'est valorisé à 6, 7, 8 millions d'euros, cette affaire, le terrain. Donc, il va pas le donner. Voilà. Donc, sur mon conseil, quand ce sera mûr, nous ferons une grande fête dans le quartier de mon conseil pour dire « Nous sommes l'équipe municipale qui a arrêté de bétonner le quartier de mon conseil et, parallèlement avec I3F, nous sommes en train de réussir, j'espère, à raser ce centre commercial qui n'en est plus un dans le cœur du quartier de mon conseil, qui a complètement été oublié, avec un parking qui fait partie de la copropriété privée, plein de trous, pas nettoyé, puisque c'est normalement à la copro de le faire. Et donc, on espère, en 18 mois, être en mesure bientôt de présenter un nouveau centre commercial dans le cœur du quartier de mon conseil. C'est forcément des dossiers compliqués, puisqu'il y a autant d'interlocuteurs que de propriétaires ou de commerces ou de logements. Voilà notre travail. Je vous ai répondu donc sur le quartier de mon conseil, qui n'est pas à l'ordre du jour ce soir. Nous aurons des délibérations qui viendront pour parler de mon conseil. Mais là, nous avons donc une délibération et on a répondu à vos questions, je crois. Sophia va donner un élément de réponse supplémentaire, puis après, on va délibérer et on parlera de mon conseil Pour répondre à ta question, Samira, sur... Allez-y. Pour répondre à ta question, Samira, sur
la commission. Aujourd'hui, une invitation a été envoyée justement à tous les membres avec un doodle pour... Il y a plusieurs dates entre le 7 et le 14 mars. Voilà. C'est, voilà. Et on est à 29% de logement social à Corbeil-Essonnes. On a répondu à toutes vos questions. Donc maintenant, je propose que nous votions cette garantie d'emprunt qui est en fait la vôtre, puisque c'est un dossier que nous avons trouvé en arrivant, bien compliqué d'arrêter celui-là. Qui s'abstient sur cette garantie d'emprunt ? Qui s'abstient ? Qui s'abstient ? Personne. Qui est contre ? Qui est contre ? Non, excusez-moi, monsieur Bell. Qui est contre ? Personne. Tout le monde est pour. Je passe. Non, mais attendez, attendez. Non, mais là, vous allez vite, tout seul. La démocratie, alors, c'est pas on ça. On a répondu aux trois vous questions. Vous nous attaquez, vous amenez des choses mais nouvelles, oui. Et vous ne nous permettez pas de discuter répondre. Des choses nouvelles. Eh ben répondez alors, simplement aux questions sans rajouter des sujets supplémentaires. Je pense que ce j'ai sera bénéfique pour tout le monde. J'ai répondu à ce qui allait se passer au quartier de mon conseil. Oui. On y reviendra. Ce n'est pas l'ordre du jour ce soir. On a répondu aux trois questions. Non, mais vous plaisantez, vous le mettez à l'ordre du jour. Vous parlez des terrains de l'hôpital. Oui. Vous êtes quand même gonflé. Ah bon ? Oui, vous êtes gonflé parce que vous nous accusez d'avoir soutenu un projet, là, votre projet Cogedim, oui. Alors que nous avons rejeté cette délibération en dans les dernières séances de l'année 2020. Nous avons rejeté ce projet que M. Bechter, avec lequel vous savez je n'étais pas d'accord sur tout, s'est opposé et n'a pas favorisé la création de ce de cette mare au canard dont vous parlez sur les terrains de l'hôpital, mais il y était opposé. Il l'a même manifesté dans Le Parisien. Que, bon, donc nous nous sommes bien opposés à ce projet qui se construisait autour de la valorisation du projet à 8 millions d'euros, qui était l'option la plus incroyable et la plus négative pour Corbeil-Essonnes en termes de logement. Et qu'est-ce que vous avez fait ? Pourquoi vous êtes gonflé, monsieur Piriou ? Parce qu'il y a deux ou trois conseils municipaux, vous nous avez ramené une délibération pour approuver la décision de l'agglomération et l'accompagner, et toute la majorité qui est là a voté l'option la pire pour la cession des terrains de l'hôpital à 8 millions d'euros. Nous nous y sommes opposés, nous avons argumenté sur le fait que nous disions qu'il ne fallait pas accepter cette option à 8 millions d'euros, et vous l'avez fait. Alors, en clair, vous vous engagez exactement dans les errements qu'on avait proposés à Bechter et que Bechter avait refusé pour les raisons que j'évoque, et vous nous accusez de faire cette politique-là. Écoutez, mais vous êtes, écoutez, vous marchez sur la tête. Non, écoutez, allez, zen, détendez-vous. Je crois que tout le monde a en mémoire que les terrains de l'ancien hôpital, le projet a avorté parce qu'il y avait de l'amiante dans le bâtiment. Je me rappelle très bien, puisque j'ai révélé, j'étais assis ici, cette affaire. Et que M. Bechter, nous avons révélé qu'il y avait de l'amiante dans le bâtiment. Je l'avais appris du président de l'agglomération qui lui-même venait de l'apprendre. D'accord, M. Bisson était déjà le président. Et donc ce projet a avorté parce que l'économie du projet explosait puisqu'il fallait enlever l'amiante de l'ancien hôpital. C'est ça l'histoire. Donc racontez pas d'histoire. Je vous propose qui s'abstient sur cette délibération. Alors voilà, merci. Qui est contre ? Voilà, donc l'ensemble de l'opposition, à part le groupe de M. Bell, s'abstient, et le groupe de M. Bell est contre. Très bien, merci, on avance. Madame, non, ce point, donc on l'a enlevé, je crois. 5-2, Martine. Bonsoir. Donc il s'agit du bilan annuel des opérations immobilières, acquisitions et cessions de la commune de Corbeil-Essonnes pour l'année 2021. Donc il est joint à la délibération un tableau qui présente les deux préemptions que nous avons réalisées, les quatre acquisitions et les deux cessions à 1 euro. Ce sont en fait toutes des décisions qui ont été déjà prises en conseil municipal. Nous avons là simplement une colonne qui indique que les actes de vente ont été signés devant les notaires. Voilà. Est-ce que vous avez merci des questions ? Martine. Madame Ketfi. Moi, j'avais surtout une remarque, parce qu'en fait, et une inquiétude que je voudrais partager ce soir avec les Corbeil-Essonnois et avec vous tous autour de la table, puisque nous sommes sur un déséquilibre qui s'annonce clairement, avec des cessions, donc des ressources pour la ville à hauteur de 2 euros, donc 2 fois 1 euro, et des dépenses qui, aujourd'hui, s'élèvent à 2 772 600 euros, notamment l'acquisition d'un terrain pour celui des pinsons
qui est, je le rappelle, un espace vert protégé sur lequel vous souhaitez construire un collège. Et donc l'acquisition de ce terrain pour 2 520 000 euros, en sachant que le département vient de montrer les 3 collèges qui viennent d'être votés dans les années à venir, qui vont sortir, et celui de Corbeil n'apparaît pas. Donc la question qui m'interpelle aujourd'hui, au-delà du coût exorbitant d'acquisition de ce terrain, puisqu'il a été acquis à 70% de plus que la valeur des domaines. Je rappelle que la valeur de domaine était estimée à 1 500 000 euros et que nous l'avions acheté à 2 500 000 euros. Donc au-delà de ça, quel est l'intérêt d'aller aussi vite dans l'acquisition de ce terrain, sachant que le département n'a pas aujourd'hui engagé la construction de ce collège, le projet de ce collège. Et par ailleurs, ce terrain, il va falloir le gardienner, il va falloir l'entretenir. Ça veut dire des coûts supplémentaires pour la ville. Aujourd'hui, moi, je m'inquiète de la dérive financière qui peut se mettre en place pour la ville. Et je ne veux pas qu'au débat d'orientation budgétaire ou dans le cadre d'un prochain conseil municipal, il nous soit proposé une augmentation des impôts, augmentation qui pourrait être vraisemblablement liée à la baisse des dotations de l'État, puisque c'est un fait et elle est constante depuis de nombreuses années. Pour autant, je n'avais pas vu les impôts augmenter, mais aujourd'hui, je m'inquiète d'une possible augmentation des impôts avec ceci, avec la baisse des dotations de l'État dont voilà, vous allez être tributaire, avec également aujourd'hui des dépenses peut-être pas au bon moment, comme l'acquisition de ce terrain. Et notamment, j'entends, donc il y a beaucoup de choses à mettre en place, des rénovations d'écoles et autres. Moi, ma question, ce que j'aimerais, c'est qu'on n'aillons pas dans une dérive financière qui vise à endetter la ville, d'une part, ou à augmenter le taux d'imposition, puisqu'on le sait, il y a très peu de personnes qui payent l'impôt à Corbeil-Essonne, et il n'est pas envisageable ou bienvenu pour cette ville d'augmenter les impôts et faire fuir ces personnes. Très bien. Il n'y a plus d'autres interventions sur cette délibération, Monsieur Breton ? Comme on a évoqué les pinsons, je voulais savoir à quelle date avait lieu la pose de la première pierre du 5e collège ? Puisque vous avez acheté les pinsons, donc a priori, c'est que vous avez déjà... c'est inscrit au PPI du Conseil départemental et que vous avez la visibilité d'une pose de première pierre. Ah bon, bon, écoutez, moi, je m'adresse... Quand j'ai des interventions comme ça, je préfère m'adresser aux Corbeil-Essonnois qui nous écoutent, parce qu'alors là... écoutez, Monsieur Breton... Non, mais c'est quand même... C'est quand même intéressant oui, de dire... Oui, mais on va répondre. Non, calme. Par contre, le débat est clos, je réponds et on passe au vote. C'est je croyais que vous vouliez qu'on fasse toutes les questions avant votre réponse. Allez-y, vous avez une question à poser ? Allons-y. Pour bien enfoncer le clou et pour que nos concitoyens comprennent, oui. Les pinsons sont un site classé. C'est un espace vert classé. C'est-à-dire qu'on ne peut rien y faire sans changer. Ça serait bien que vous nous écoutiez parce que peut-être que vous apprendriez comment on doit faire. Donc, vous avez un site classé espace vert. Ce classement espace vert, c'est le conseil municipal qui l'a décidé dans le plan local d'urbanisme. Et ce ne peut être que le conseil municipal, sous la direction de l'actuel maire de Corbeil-Essonnes, qui peut le changer. Donc il n'y a aucun risque de voir construire quoi que ce soit sur ce terrain tant que vous n'aurez pas décidé de changer la destination de ces terrains et de trouver des espaces verts pour compenser cette perte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous achetez ce terrain 1 million de plus que son prix au domaine et en réalité son prix sur le marché, compte tenu de la réalité de la capacité de construction de ce terrain. Donc, vous dépensez 2,5 millions, très probablement 6 à 10 ans avant que ne soit posée la première pierre dont parlait M. Breton à l'instant. Nous allons donc immobiliser pendant 10 ans... Restez avec nous. 2,5 millions d'euros. Et nous allons devoir subir la gestion de ce parc pendant les 6 à 10 ans qui vont être nécessaires pour construire ce collège.
Voilà un investissement, alors que, outre le fait qu'il est absolument, nous le savons tous, complètement absurde de construire et de choisir cet emplacement pour faire ce collège, tellement, et vous le comprenez tellement que vous ne consultez pas la population alentour de ce collège, parce que vous saviez très bien comment elle vous recevrait. Et donc, voilà, vous investissez 2,5 millions, vous bloquez 2,5 millions d'argent public dans ce projet qui ne verra le jour que dans 6 ans au mieux et dans 10 ans au pire. Et vous allez avoir à faire subir au Corbeil-Essonnois la gestion de ce site qui sera de toute façon fort coûteuse compte tenu de son étendue et de son emplacement. C'est bon, on a fini, je vais répondre. Donc, l'un des principaux dossiers sur cette délibération, c'est effectivement l'acquisition des pinsons, effective. Michel Noailles et l'ensemble des élus soucieux de la scolarisation des élèves de collège de Corbeil-Essonne, Monsieur Breton, je crois que Michel l'a rappelé à de nombreuses reprises, on ne va pas être long, quand nous sommes arrivés, le départ... Quand nous sommes arrivés, depuis 2003, à chaque fois il a rappelé Madame Porlier, etc., 2003, et quand nous sommes, l'attente, le besoin d'un cinquième collège à Corbeil-Essonne. Nous sommes l'équipe municipale qui va réaliser ce collège. Attendez, ça va, c'est trop important, il s'agit des gamins qui aujourd'hui, et on s'arrache les cheveux, tous ces gamins qui doivent aller à Louise Michel et qui, et Michel, se démènent pour obtenir des transports scolaires pour que les gamins qui doivent aller à Louise Michel, qui habitent mon conseil, qui sont scolarisés à la Nacelle ou à Villabé, des gamins de 11 ans, puissent aller dans de bonnes conditions étudier, parce que le cinquième collège qui aurait dû être dans les tuyaux depuis des années, il n'y avait pas un dossier quand nous sommes arrivés, d'accord ? Donc ça, c'est la réalité. Donc oui, nous avons acquis le domaine des pinsons qui appartient maintenant au Corbeil-Essonnois à travers la municipalité pour ce lieu qui a été emblématique pour tout un tas de choses, pas forcément éducatives. Aujourd'hui, va devenir un lieu pour accueillir un cinquième collège à Corbeil-Essonne avec l'accord de l'inspecteur d'académie, du DAZEN, du président du département. Je vous annonce, Madame Ketfi, que la programmation de la délibération au département est prévue pour ce collège. Tout à fait, vous verrez. En mars, l'Assemblée va délibérer pour que le cinquième collège de Corbeil-Essonnes se fasse au pinson. Et c'est une excellente nouvelle. Et on va faire en sorte que les choses se fassent correctement. On ne va pas faire, c'est le département qui le fera d'abord, non pas en PPP, mais un concours d'architectes, un magnifique collège inclusif pour accueillir les enfants en situation de handicap mental, une première dans le département. Ça, c'est la réalité, et nous sommes fiers. Et donc, Monsieur Breton, soyez pas plus impatient de nous voir poser une première pierre quand vous n'avez pas déposé le premier dossier, vous. D'accord ? Bon, voilà, vous avez été maire adjoint aux affaires scolaires. C'est pas vrai, il y avait déjà des projets qui étaient envisagés sur le cinquième collège. Oui, c'est trop facile de nous jeter l'opprobre à chaque fois. Je jette pas. Non, c'est moi qui. C'est pas vrai ce que vous dites. Je finis, Monsieur Bell. Il y avait des solutions qui avaient déjà été envisagées. On va attendre que Monsieur Bell revienne. Oui, vous avez remarqué que il n'y avait plus de bouteilles en plastique sur les tables et des carafes et des gobelets. On va attendre Monsieur Bell. Donc, en attendant, sincèrement, oui, on est super fiers de permettre, dans les meilleurs délais, ça prend quelques années, évidemment, de construire un collège. La vente a été acquise pendant les vacances de Noël, donc nous sommes propriétaires. Il y avait une phase de vente chez un promoteur avant. Voilà, je vais y venir, on attend Jean-François. Et donc, vous nous avez fait tout un laïus, toute l'équipe, là, sur le fait que c'était une ineptie dans un parc de construire, etc., que c'était classé. Vous êtes d'accord, Madame Garcia ? Voilà. Ben nous, on a trouvé un courrier, ici, 2020. Jean-Pierre Bechter, adressé à Madame Marie-Hélène Dassault, vice-présidente du groupe Dassault, 9 ronds-points des Champs-Élysées, dans le 8e, vous connaissez ? Moi, j'y suis jamais allé.
J'ai reçu aujourd'hui les représentants de la société PMLV, dont M. Dao, qui ont émis leur accord pour réétudier les modalités d'acquisition des parcelles cadastrées sections AS 376 et 448, situées 80 rue de la Dauphine et 123 rue de Gournay, à Corbeil-Essonnes et appartenant au consoeur Dassault. Il a été convenu que l'emprise foncière fasse l'objet d'une division en deux lots, en détachant d'une part la partie côté rue de la Dauphine, qui serait concernée par la construction de 40 à 50 logements, avec deux places de stationnement par logement, pour un montant de 1,4 million d'euros. D'autre part, la commune se porterait acquéreur du deuxième lot correspondant à la partie basse, comprenant le clos des Pinsons et la maison du gardien. La commune va inscrire cette acquisition au budget 2020 pour un montant d'1,5 million d'euros. Si on cumule, ça fait près de 3 millions d'euros. L'ensemble de cette opération respectera le PLU en vigueur. Le seul problème que je vois se situe à la maison d'Aguerre qui appartient à la fondation dont la commune ne pourra jamais assumer l'acquisition. Cette parcelle de terrain serait très utile aux propositions de M. Dao, le promoteur, qui est en relation avec le rond-point, Jean-Pierre Bechter. Pardon ? Bah, c'est-à-dire que l'équipe municipale à laquelle ville de Corbeil-Essonnes souhaitait acquérir cette parcelle pour en faire un centre aéré. Tout le monde le sait dans l'ancienne majorité. Tout le monde le sait dans l'ancienne majorité. Monsieur Bell, écoutez, monsieur Bell. Non. Et d'autre part, c'est, si je ne m'abuse, après ce courrier, oui, dans les délibérations du conseil municipal et dans les modifications du plan local d'urbanisme postérieur, qu'ont été classés ces terrains en espace vert protégé. C'est quand même curieux pour un maire qui voulait absolument bâtir peut-être 11 tours de 11 étages dans ce site. Soyons sérieux. Écoutez, nous venons de révéler, Attendez, monsieur Bell, je comprends que ça vous mette mal à l'aise, vous pouvez boire une gorgée d'eau, il n'y a pas de problème. Sincèrement, vous venez de nous faire une leçon pendant 20 minutes sur le fait qu'il fallait sacraliser la résidence des Pinsons. Et nous, d'abord, nous sommes allés aux Pinsons puisque nous sommes propriétaires. Et vous ne pouvez pas imaginer tout ce qu'on a trouvé qui n'a pas eu le temps d'être détruit. D'accord ? On aura l'occasion d'en reparler. Mais, en l'occurrence, on a retrouvé des courriers aussi, je suis désolé, qui datent de 2020, avant qu'on arrive, où le maire de Corbeil, que vous soutenez tous, d'accord, je ne sais pas si Mme Quetefi, c'est nous, c'est eux, elle est là maintenant, je ne sais pas, avait prévu un accord avec un promoteur pour construire 50 logements. C'est la réalité, ça. Ne nous dites pas que ce n'est pas vrai, puisque Martine Soavi prend le relais. Oui, j'ai reçu M. Dao à deux reprises. C'est simple, c'est le premier promoteur que j'ai reçu. Et c'était effectivement, il n'y a pas d'état d'âme, hein, et c'était bien parce que vous aviez engagé avec eux directement des négociations. Il y avait une promesse de vente qui était en train de se faire, donc c'était bien pour faire du logement et pas du tout un centre aéré. Pas du tout. Donc ce permis, je me suis opposée avec l'accord de l'ensemble du bureau municipal, et c'est pour ça que ça ne s'est pas fait. Mais sinon, si nous n'avions pas été élus, il y aurait là-bas des logements. Voilà. Et ce n'est pas du tout une histoire ni un conte. Donc, on n'est pas là, excusez-moi, parce que je pense toujours aux Corbeil-Essonnois qui nous regardent, et nous sommes là, je l'ai dit, pour réélever le respect de la parole politique, l'image de la politique. Je comprends que vous soyez un peu blême, Madame Quetefi, après tout ce que vous venez de nous raconter. Absolument pas. Eh bien, écoutez, alors désolidarisez-vous de vos collègues, parce qu'il y avait... Écoutez... J'ai bien noté que la COGEDIM qui va construire au moulin... Non, attendez, arrêtez. J'ai bien noté que les promoteurs n'étaient pas vos amis. Voilà. Cessez de faire croire n'importe quoi aux Corbeil-Essonnois, ils ne sont pas dupes. Bon, en tout cas, on est sérieux, nous. Cette équipe municipale va faire un cinquième collège sur un terrain pour lequel vous aviez prévu, avec un promoteur. Bon, attendez, bon, ça va. Et écoutez, on publiera la lettre. Et pour finir... On écrira au Corbeil-Essonnois dans nos différents organes. J'espère que la pétition que vous faites signer, on leur démontrera, comme d'habitude, que vous êtes un menteur. Très bien. Allez. Et un
un affabulateur voilà. et un maquilleur. Très bien. Allez, en D'accord. tout cas, Monsieur Picard, un dernier mot, puis on va avancer. Oui, Monsieur le maire, je voudrais quand même... Trop, c'est trop, quoi. Pendant 25 années, vous avez mené un conseil municipal en empêchant totalement ce type de débat d'avoir lieu. Alors, au minimum, je vais, pour Monsieur Bayle, paraphraser Monsieur Darmanin. Comme vous êtes un homme, je peux le faire. Tout va bien se passer, Monsieur Bayle. Vous n'allez pas finir le conseil si vous êtes sur ce son-là pendant deux heures, quoi. Je suis inquiet. Quant au reste de l'opposition, excusez-moi, mais vous êtes aux limites de l'injure en permanence, alors que vous avez sur chaque point le temps que vous voulez. Donc je trouve que trop, c'est trop par rapport à la qualité de débat qu'on a le droit d'exiger ici. Merci Jacques de réélever le niveau, parce que sincèrement, nous avons une délibération qui porte sur les acquisitions, les cessions, c'est fini, les cessions et les acquisitions de la ville. C'est une excellente nouvelle que nous assumons, que les pinsons, je le répète, au lieu d'être vendus à Monsieur Dao pour faire des logements, et je n'ai pas rêvé que j'ai négocié avec Maître Menacier, le notaire de la famille Dassault, pendant des mois et des mois, qui me disait « Monsieur le maire, c'est pas possible de vous vendre le terrain puisque j'ai un engagement, ça va nous coûter de l'argent. » Pardon ? Attendez, maintenant ça suffit. Hein. Ça suffit parce que voilà, j'ai eu Maître Menacier des dizaines de fois. J'ai des textos, je peux vous les montrer avec Maître Menacier. Nous avons négocié. Et donc, nous avons obtenu... Non, ça suffit maintenant. Nous avons obtenu que ce terrain devienne un collège et pas un projet immobilier. Maintenant, ça suffit. Qui s'abstient sur cette délibération? Ça suffit. Honte à vous. D'accord? On fera un collège et pas un programme immobilier comme c'était prévu. Sur un site vert protégé. Qui s'abstient C'est une prise d'acte, monsieur le maire. Soyez serein. C'est une prise d'acte. Il n'y a pas de vote. Très bien. Il n'y a pas de vote. Alors on avance. Très bien. Soyez serein. On gagne du temps. Monsieur Bourges. Un peu de calme dans ce monde-là. Bon, on n'est pas à BFM TV ici. Bien, donc sur le point 7.1, création de 3 postes et aussi la mise à jour du tableau des effectifs. L'arrivée d'une nouvelle direction générale a permis l'émergence d'une nouvelle administration et donc l'élaboration d'un organigramme qui a été validé à l'unanimité par le comité technique le 16 décembre 2021. Une profonde restructuration est en cours qui nécessite d'avoir beaucoup plus de technicité d'engineering. Premier point de cette délibération qui porte donc sur la création de 3 postes de direction de catégorie A. Donc je tiens à préciser pour ces 3 postes, c'est des modifications d'appellation de ce poste avec des modifications de contenu de fiche de poste et aussi le fait d'être beaucoup plus clair sur la possibilité de faire en sorte que ça peut être des postes qui sont pourvus en CDI, ce qui est le cas d'ailleurs. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas à proprement parler de recrutement supplémentaire sur ces postes-là, c'est des modifications sur l'existant. Donc, ainsi, le poste de directeur-directrice de la santé du Centre municipal de santé va monter en fin de compte en compétences, en élargissement de responsabilités. Et donc, c'est une révision de la fiche de poste. La personne est la même qui occupera ce poste que ce qui était précédemment. Idem pour le poste de directeur-directrice de l'éducation, qui aura en charge le projet éducatif global de la commune. Et pareil pour le troisième, qui est un poste directeur-directrice de l'aménagement et du développement urbain, qui participera à la définition et la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de projets d'aménagement, de développement urbain et d'attractivité du territoire. Ça, c'est sur les 3 postes qui sont créés. Donc, de fait, les 3 autres postes seront à terme supprimés. À cela s'ajoute donc une modification du tableau des effectifs que vous avez donc sous les yeux dans la notice explicative et donc qui correspond là effectivement des modifications soit d'horaires, soit de postes. Enfin bon, c'est le mouvement habituel qui est assez fréquent en fin de compte. Dans ce tableau des effectifs, vous verrez donc des changements d'horaire pour le médecin, première classe qui passe de 19h à 22h. Sur un adjoint technique territorial, modification d'horaire et création de poste, d'attaché technique,
territoriale. Nous, on a aussi une modification d'horaire sur l'assistant d'enseignement artistique principal et sur l'assistant d'enseignement artistique principal de deuxième classe, qui est une création de poste pour 16 heures. Et là encore, une création sur un adjoint territorial d'animation. Voilà, donc s'il y avait des questions, des remarques, allez-y, je vois pas tout le monde. Donc, Monsieur Raymond. Oui, sur ce point, Monsieur le maire, je suis étonné de ne pas trouver en annexe de cette délibération l'organigramme complet de notre administration. Organigramme que nous attendons depuis plusieurs mois, qui nous aurait permis, nous élus d'opposition, d'une part d'apprécier la réelle nécessité d'embauche ou de modification de poste d'autant de directeurs de services. Vous avez à peu près de mémoire recréé ou embauché près de 6 directeurs de services nouveaux depuis votre élection. Et cet organigramme aurait aussi permis, dans un souci de transparence, il aurait été bien de le communiquer à la population afin de permettre aux administrés de connaître leur véritable interlocuteur. Donc, depuis de nombreux mois, on demande cet organigramme qu'on n'a toujours pas. Une fois qu'on a dit cela, Monsieur le maire, se pose la question de savoir comment allez-vous procéder pour recruter les futurs cadres de nos services, si vous en recrutez. Allez-vous, comme la plupart des villes, j'allais dire de même strate, avoir recours à des cabinets de recrutement, ou bien, comme vous l'avez déjà fait pour de nombreuses embauches depuis votre arrivée, allez-vous recruter dans votre sphère politique, amicale ou même familiale ? Ce point, Monsieur le maire, est capital, car il est impératif que de tels postes soient confiés aux plus compétents, aux plus expérimentés, des candidats dans leur domaine respectif. Il en va bien évidemment de votre crédibilité et de votre responsabilité. Vous qui avez toujours dénoncé les soi-disant emplois fictifs de votre prédécesseur, vous devez savoir que la barrière est très mince entre emploi fictif et emploi de complaisance. Afin de nous rassurer, et je pense dans un souci de transparence, il serait bien que vous nous communiquiez lors du prochain conseil municipal les modalités des recrutements que vous allez dorénavant faire et que vous nous expliquiez les choix qui seront effectués. Pour toutes ces raisons, je voterai contre cette délibération. Très bien, sans attendre les réponses. Bon. Madame Garcia va prendre, allez-y. Monsieur le maire, il se trouve que je rejoins tout à fait mon collègue, c'était exactement la même réaction. Et je voulais aussi vous poser une petite question annexe. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de la nécessité de cabinets d'avocats excessivement compétents pour justement se lancer dans des procédures, et vous avez évoqué en effet des cas de salariés, incompétents, en tout cas peut-être même indélicats. Et j'aimerais que vous nous disiez où vous en êtes justement de certaines de ces procédures, puisqu'il est revenu à mes oreilles, mais je demande des éclaircissements, je ne me prononce pas, savoir si en effet nous avons gagné, la ville a gagné toutes ces procédures ou pas, et voilà, une information en ce sens. Alors, Frédéric Bourges, il n'y a plus d'autres questions ? Madame Ketfi ? Oui, en fait, je voulais avoir des clarifications. D'une part, en venant ce matin, je suis passée récupérer le magazine que vous donnez au personnel communal qui s'appelle Contact. Donc j'en ai pris connaissance. Je voulais juste vous signaler qu'il y a une petite erreur dans l'édito. Vous indiquez que le budget de la ville pour la masse salariale s'élève à 44 millions. Il manque 500 000 euros. C'est 44,5 millions. C'est pas beaucoup pour vous, 500 000 euros, mais je pense que pour les Corbeil-Essonnois, c'est beaucoup. Et je voulais venir sur ce sujet-là pour avoir une clarification sur quel est le montant de la masse salariale aujourd'hui de la ville, puisqu'on est sur des augmentations de compétences. On demande aux collaborateurs, aux agents d'avoir des compétences supérieures. Est-ce qu'ils seront mieux rémunérés pour cela, d'une part ? Et j'entends beaucoup parler d'heures supplémentaires qui ne seraient pas ou plus rémunérées. Et j'étais au centre administratif, au NCA, cet après-midi, pour échanger aussi avec les agents. Et cette question de la rémunération est assez prégnante, et notamment celle sur les heures supplémentaires. Monsieur Breton.
Oui, effectivement, on a appris que vous aviez offert des chocolats au personnel. Ce n'était pas ce qui était attendu, visiblement, parce qu'ils nous ont tous fait un peu part de leur mécontentement et qu'ils attendaient autre chose, compte tenu de la situation économique, l'inflation, le prix du carburant, et qu'on ne pouvait pas se satisfaire simplement que d'une boîte de chocolat. Donc il y a eu des attentes fortes. Vous n'avez cessé de répéter que le personnel avec nous était maltraité. Je peux vous dire que les échos que l'on a au niveau du personnel municipal, il n'est pas glorieux non plus et ils ne sont pas bien traités comme vous pouvez le prétendre. Très bien, c'est fini. Merci à vous. On vous répond, puis on passe au vote. Frédéric Bourges. Oui, d'abord sur l'organigramme. Oui, sur l'organigramme, d'abord une information, puis aussi mes regrets, parce qu'on avait effectivement fait le comité technique le 16 décembre, et donc il y avait déjà eu une question au conseil municipal, comme quoi on avait dit qu'effectivement cette nouvelle organisation, cet organigramme serait communiqué, bien sûr, à l'ensemble du personnel, à l'ensemble du conseil municipal et à la population. Il vous a pas manqué de constater quand même que cette vague Delta Omicron depuis la fin décembre a bouleversé pas mal d'activités dans la collectivité de Corbeil comme dans beaucoup d'endroits. Nous avons, sur ces 5 dernières semaines, eu 182 cas contacts Covid positifs, plus auxquels on peut rajouter les personnels qui étaient donc cas contact, à l'isolement, d'autres qui étaient en ASA, d'autres qui étaient en télétravail dans des conditions qui n'étaient pas toujours très faciles d'un point de vue de leur activité professionnelle. Donc on n'a pas, d'une façon correcte à ce jour, et je m'en excuse, pu boucler correctement une présentation synthétique et de bonne façon, même si le document a été communiqué, mais c'est un document assez volumineux et pas forcément très pratique d'un point de vue de sa communication. Donc on devrait l'avoir assez rapidement, parce que c'est quasiment fini, mais notamment des gens, y compris de la communication, sont Covid positifs, qui travaillaient sur ce dossier, enfin, sur la présentation, on va dire. Donc ça, c'est en cours. Il sera communiqué à l'ensemble des agents, il sera mis sur le site internet de la ville, et donc il sera aussi communiqué à l'ensemble des élus. Donc sur cet organigramme, effectivement, il y a une montée, on l'a déjà discuté, de ça. Il y a un plus grand nombre de directeurs qu'auparavant, donc ça procure des embauches supplémentaires. Ça, c'est évident, je ne m'en réexplique pas là-dessus. Sur les modalités de recrutement, ce qu'on peut constater, c'est que déjà, on suit les processus tout à fait légaux et normaux de recrutement. Si vous allez sur le site internet de la ville de Corbeil-Essonnes, vous verrez donc les offres d'emploi actuellement disponibles. Je vous les cite, hein. Directeur de l'administration générale et de la modernisation numérique. Nous avons eu au moins 3 entretiens d'embauche sur ce poste-là. Assistant de direction à la direction générale des services, c'est en cours. Conseiller numérique au CCAS, au Fab Lab. Directeur de la vie sociale des quartiers, c'est aussi des choses qui sont inscrites dans notre volonté politique. Je ferai remarquer d'ailleurs, c'est une des directions qui bouge le plus, parce qu'on avait une seule direction qui était regroupée jeunesse, sport, vie de quartier. Donc on a créé, avec une impulsion nouvelle, jeunesse, sport, vie de quartier, autour des maisons de quartier. Donc d'où cette annonce. Journaliste, directeur de la lecture publique, directeur adjoint en crèche, directeur de la jeunesse, agent technique, directeur du développement de l'action sociale, psychologue, bibliothécaire, médiateur culturel. Donc ça, c'est tout à fait, je dirais, standard et habituel. C'est 12, à ma connaissance, c'est 12 postes qui sont ouverts en recrutement externe, auxquels on ajoute 9 postes qui sont des avis de vacances de postes internes. En général, pour la ville de Corbeil, on est plutôt sur d'abord de l'ouverture de postes en interne, pour faciliter des opportunités d'évolution de carrière et de mobilité. Quand, pour des raisons ou techniques ou de non-possibilité, ou ça n'a pas abouti en recrutement interne, dans ces cas-là, on se tourne sur des recrutements externes. Donc ça, c'est un peu les modalités sur ça. Je pense que ça avance bien. Moi, je pense qu'on peut se féliciter vraiment d'une administration qui petit à petit se met en place avec des recrutements de gens hyper compétents, techniques et qualifiés. Donc, ce qui va nous permettre, là, dans cette année 2022, d'avoir quand même un effet beaucoup plus dynamique sur ce qu'on attend de cette nouvelle administration, c'est-à-dire de nouveaux modes de développement, de nouveaux modes d'organisation de travail, ce qui permet d'avoir un mode de fonctionnement complètement nouveau.
On n'est pas non plus, quand on regarde avec des villes similaires, on n'est pas dans un niveau de direction générale stratosphérique, loin de là. On est même en retrait par rapport à beaucoup de villes équivalentes. Ce qui est surprenant, c'est surtout ce qui existait avant avec cette faiblesse qui pouvait caractériser la collectivité de Corbeil-Essonne. Sur le budget, je vous remercie d'être attentive à mon écriture et à celle du maire. Tant mieux, on essaye de faire quelque chose de synthétique. On n'a pas le définitif du budget réalisé, on va dire, sur l'année 2021. Donc ça reste une somme qui n'est pas assez précise, et vous avez raison. Mais ceci dit, ça donne aussi l'importance de l'ensemble du budget qui est accordé pour le personnel communal, qui comprend l'ensemble des dépenses, les rémunérations, bien sûr, mais aussi les autres. Dans les rémunérations, il y a aussi les heures supplémentaires. Il y a forcément besoin de regarder de près l'utilisation, la bonne utilisation des heures supplémentaires, en sachant que tout travail mérite salaire et que les agents qui, de fait, sont sollicités pour un surcroît d'activité en heures supplémentaires, il n'y a aucune difficulté. Pareil, on vérifie aussi le cadre légal. On est limité de par la loi. Il y a encore des choses à appréhender pour pouvoir bien maîtriser l'ensemble de ces données. Sur les chocolats, je pense que c'est bien que vous faites les délégués du personnel. Vous avez construit quand même toute votre tribune. Moi, je vous lis dans le journal municipal qui vient juste de sortir, donc je l'ai eu. Je pense que, je ne sais pas ce qu'on va en faire de ce truc, mais M. Breton et votre groupe, c'est un tissu de mensonges. Et vous dites, en gros, est-ce qu'un peu votre leitmotiv depuis un moment, depuis plusieurs conseils municipaux, c'est de souligner qu'il y aurait une politique hostile à l'égard de notre personnel communal. Bon, moi, j'ai regardé un petit peu. Vous savez, en 2019 et 2020, donc c'est très frais, hein, il y a 137 agents qui sont partis de la collectivité de Corbeil-Essonne. On aura le bilan plus précis sur l'année 2021, et puis on verra aussi ce qui se passe en 2022. Mais enfin, je trouve que pour une commune où il y a près de 1000 agents à plein temps, permanents, 137 départs de la collectivité, je ne suis pas sûr que les agents, parce que vous nous soulignez qu'en fin de compte, ils sont tellement mécontents de la nouvelle équipe municipale qu'ils sauvent en courant, parce que c'est mieux ailleurs. Bon, ça fait partie du jeu et de la mobilité naturelle qu'on peut attendre dans le travail. Et puis les opportunités de carrière au sein de la fonction publique et notamment des collectivités territoriales sont quand même assez importants. Mais j'ai quand même été surpris par ce chiffre de 137 agents. On a dû annuler début janvier donc les vœux d'une part à la population, mais y compris on avait voulu renouer avec cette importance des vœux au personnel communal. Donc on n'a pas pu tenir cet événement, on a dû tout annuler. On n'a pas pu non plus faire, ça fait deux années de suite qu'on n'a pas pu faire dans des conditions correctes, on ne l'a pas fait du tout d'ailleurs, la remise de la médaille du travail. Donc ça a été aussi annulé. Donc on a pris l'initiative avec le maire et l'ensemble des élus, et je pense que ça a été quelque chose d'apprécié, que l'ensemble des élus, et je les remercie, de pouvoir aller dans les différents services. On a essayé de voir le maximum de gens pour pouvoir leur donner une lettre d'accompagnement qui met en avant quelques aspects de la politique municipale, et puis aussi qui les remercie pour leur travail. Donc on a voulu marquer le coup par ce petit cadeau de chocolat qui a été apprécié par beaucoup. Peut-être qu'il y en a qui ont aussi, et c'est tout à fait naturel qu'il y ait des remarques, des revendications et des critiques. Je tiens à souligner d'ailleurs, parce que vous évoquez les problèmes des rémunérations, moi je tiens à saluer Michel Nouaille et le maire, Bruno Piriou, d'avoir à deux reprises accompagné et soutenu les personnels qui ont participé à deux journées d'action de grève au mois de janvier. Il n'y a pas que les personnels enseignants, même si on les a mis beaucoup en avant, à juste titre, mécontents du mépris de ce gouvernement et du ministre, mais y compris sur leurs revendications spécifiques. Mais il y a eu beaucoup de personnel communal, des animateurs, des ATSEM et autres personnels qui ont participé très activement à ces deux journées d'action qui soulignaient effectivement leur besoin et d'être reconnus, de valoriser, de ne pas être pris pour des andouilles. C'est ce que nous allons faire dans les prochains mois. On va attaquer au mois de mars une concertation open, tout azimut, avec l'ensemble des agents pour pouvoir les écouter et de telle façon que ça puisse nous permettre de prendre en compte un certain nombre de leurs problèmes, de leurs revendications. Et c'est tout naturellement que je lis toujours votre tribune. Le fait de reporter les décisions de délibération en juin 2022, là, ce sera notre dernier délai, sur le régime indemnitaire et sur le temps de travail, c'est aussi pour pouvoir intégrer dans nos décisions la prise en compte des remontées des agents eux-mêmes pour qu'on puisse prendre les bonnes décisions. C'est des délibérations très importantes qui peuvent nous engager. La dernière, pour Corbeil-Essonne, date quand même de 10 ou 15 ans, je crois. Je n'ai plus l'année en tête, mais enfin, c'est assez long. Donc ça nous engage pour au moins 10 ans.
Donc on a intérêt à pas trop se louper sur ces délibérations et pas être obligé de revoir notre copie 6 mois après. Je tiens à finir aussi, parce que vous insistez sur les rémunérations, le régime indemnitaire sur la ville de Corbeil, c'est quand même l'élément sur lequel une commune peut agir. Alors peut agir dans des limites quand même qui sont celles fixées dans le cadre de la loi, correspond à 12% de la totalité de la rémunération. C'est-à-dire que l'essentiel de la rémunération des fonctionnaires, c'est-à-dire pour plus de 80%, voire 90%, ça correspond au traitement de base, tous les autres éléments qui sont liés, comme la NBI, etc. Et ça relève du pouvoir politique du gouvernement, et ce gouvernement qui a encore refusé l'augmentation du point d'indice, alors que l'inflation s'élève à 3 à 4%. Ce qui a amené d'ailleurs, moi j'ai signé la semaine dernière 2000 arrêtés, qui correspondent à des augmentations de salaire pour des agents, en particulier les agents de catégorie C, ce qui fait que quasiment tous les agents de la ville de Corbeil de catégorie C et quelques agents de catégorie B ont une augmentation entre 20 euros net sur la feuille de paye et jusqu'à 70 euros pour justement compenser la hausse de l'inflation qui, du coup, pour des agents qui sont très proches du SMIC et qui sont fortement impactés. Voilà, je voulais vous dire tout ça, c'est-à-dire qu'on est très, très attentif à tous ces éléments-là et on suit de très près. Donc ce régime indemnitaire, on va y regarder de près. Après, c'est pas ça qui va changer la donne fondamentalement de l'ensemble de la rémunération des agents. Si on continue à faire que on a à peu près 3 millions de smicards en France, on a la moitié des smicards, c'est quand même des agents de la fonction publique, en particulier des collectivités territoriales. Donc si on veut vraiment faire bouger les lignes, il s'agit vraiment de revoir complètement les politiques salariales en France. Et on a entendu encore Bruno Le Maire hier s'arc-bouter pour dire « on n'augmentera pas les salaires en France ». Donc là, on a vraiment une situation qui nous rend la vie compliquée pour les agents concernés. Et nous, on fait le maximum là-dessus. Bon, ben c'était très bien, Frédéric. Merci, on peut t'applaudir. Parce que tu vas nous manquer, mais on profite de toi jusqu'au bout. Voilà, une petite précision. Attendez, non, on a répondu à tout. Maintenant, on va... Eh ben, écoutez... On a répondu à tout, sauf il y avait une question sur... Vous n'avez pas répondu sur la transparence des recrutements. Ben, je vous ai commencé par ça au début. Non, vous avez juste dit qu'il y avait des annonces sur le site de la ville. Mais est-ce qu'on aura un retour? Vous aurez un organigramme. Après, on ne communique pas. Est-ce que vous allez vous appuyer sur des professionnels du recrutement? Oh là là, vous êtes lourd. Non. Je réponds brièvement, mais... Vas-y. Non, les entretiens d'embauche, on les fait. Ils sont menés, d'ailleurs, par l'administration. Voilà. Donc c'est assez rare. D'ailleurs, les élus... ne s'en mêle pas. Sur quelques postes, on peut avoir une participation. Le maire va participer peut-être à l'entretien d'embauche avec l'administration sur des postes comme la direction des sports, par exemple, ou d'administration générale. Mais ceci dit, c'est tout. Moi, je ne participe pas aux entretiens d'embauche de l'ensemble des agents. Donc, il y a ce processus-là. On ne passe pas par un cabinet de recrutement. Exactement. On s'appuie sur nos services RH. Donc qui font le boulot. Et après, les entretiens d'embauche, quand il y a la décision qui est prise de les retenir, on contacte aussi ceux qui ne sont pas retenus pour leur préciser les choses. Voilà, on fait ça tout à fait correctement, comme dans beaucoup d'endroits, d'ailleurs. Voilà, donc on vous a répondu. Madame Garcia. Je vous ai posé une question sur les procédures qu'avait décidé d'intenter la ville contre certains agents. Je vous ai demandé quels étaient le résultat de ces procédures. La plupart, pour l'instant, je vous réponds, ont été gagnés. Il y a des appels. Voilà. Et donc, on ne communiquera pas sur les procédures judiciaires en cours. Pour l'instant, les procédures que nous avons intentées sur des licenciements ou... nous les avons gagnées. Et y a des appels. Voilà. Donc pour l'instant, nous avons gagné. Est-il vrai que deux agents ont gagné en première instance face à la ville? Non, pas du tout. Mauvaise information. Voilà. Donc on vous a répondu sur tout. Je précise juste, Frédéric, parce que ça n'est jamais arrivé depuis même plus de 25 ans ici, que les mois qui viennent vont être l'occasion de donner la parole à tous les agents, pour une grande concertation, des délibérations que vous auriez dû passer sur le régime indemnitaire et le temps de travail, vous ne l'avez pas fait. Nous, on a obtenu quelques mois de délai du préfet qui nous fait confiance pour le faire. On ne veut pas s'attaquer au temps de travail, ce qui est une obligation légale, et au RIF 7.
sans écouter le personnel. Et donc, il y a des assises du personnel qui vont avoir lieu dans les mois qui viennent. Et d'ailleurs, ouvert, les élus pourront participer à certaines des réunions. Et on apprendra beaucoup de choses. Et les élus me disaient, en vous écoutant, que tous ceux... Vous savez, les marques de sympathie, il n'y en a pas trop dans cette société. Et donc, tous ceux qui ont été s'adresser aux agents communaux pour leur remettre un présent, en l'occurrence des chocolats, un courrier qui annonce les assises du personnel, ont été très, très bien accueillis. On a plusieurs lettres de remerciement, tout simplement. Voilà, donc nous, vraiment, on ne regrette pas d'avoir fait cette dépense qui est une marque de reconnaissance du travail des agents de la commune. Je retiens un point important de ce qu'a dit Frédéric, c'est que si vraiment... chers collègues, vous vous souciez des rémunérations des agents de la fonction publique. Nous sommes dans une période électorale nationale. Comme a dit Frédéric, le régime indemnitaire, non. Je comprends que ça vous fâche. C'est 12% de la rémunération. Tout le reste, à savoir 88%, c'est le gouvernement qui décide dans la fonction publique du montant des rémunérations. Si vous voulez que les agents de Corbeil-Essonne aient des salaires plus importants, soutenez des candidats à la présidentielle qui veulent revaloriser la fonction publique territoriale et soutenez des candidats qui s'engagent à donner plus de moyens aux collectivités territoriales pour peut-être avoir un régime indemnitaire plus important. Et on jugera les uns et les autres à qui soutient qui sur cette question-là des rémunérations. Frédéric a rappelé la parole de Monsieur le maire ce matin qui dit « Il est hors de question d'augmenter les salaires dans ce pays ». Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Un dernier mot, Pascal. Mais il y a aussi une autre manière de soutenir les agents. Le 31 mars, venez dans la rue avec eux, puisqu'il y a une manifestation nationale des agents territoriaux. Voilà. On vous donnera du calico et de la peinture, Madame Ketfi, pour porter votre banderole. Qui s'abstient sur cette délibération ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Alors, toute l'opposition bien réunie. Très bien, merci. Les autres sont pour. Merci Frédéric, c'est encore à toi. Ah oui. Merci. Donc le point 7.2 sur l'Assemblée délibérante portant sur la protection sociale complémentaire. Donc sujet important, alors là on n'est pas en retard hein, parce que le... je vais essayer de faire court parce que là vous avez une notice explicative. Alors là je tiens vraiment à saluer l'ensemble de l'administration qui ont bossé là-dessus. Je leur dis bravo parce qu'elle est excellente. Vous avez tout dedans donc je ne vais pas la lire. Non. Par contre, c'est les points saillants. Il y a l'obligation au 1er janvier 2025 d'une participation plus importante de la collectivité, des collectivités territoriales, à la protection sociale des agents, donc qui intégrera les aspects maladie et aussi les aspects de ce qu'on appelle les gros risques, l'invalidité, etc. Donc on avait déjà acté, nous, dans notre ligne de gestion, que l'on aborderait ce sujet en 2023, pour pouvoir regarder de plus près l'ensemble du dispositif. Aujourd'hui, la commune participe pour 6,10 € par mois, quelle que soit la situation de l'agent, d'ailleurs, pour ceux qui, individuellement, ont fait le choix d'avoir une mutuelle ou une assurance. Donc le centre intercommunal de gestion donc de Versailles nous oblige, mais la loi nous obligeait par ordonnance aussi, à ce qu'on puisse prendre une première délibération, c'est l'objet de ce soir, qui prend acte donc, de trois dimensions importantes, que je ne dise pas de bêtises dans la... ce que vous l'avez, c'est donc les dispositions qui seront prises en vigueur en matière de protection sociale. Donc c'est la prise d'acte que le centre de gestion pourra associer les collectivités à la réflexion et au l'ensemble de ce qui pourrait être fait au niveau du CIG. Et le troisième axe, c'est aussi donner son accord de principe pour que la commune de Corbeil-Essonne, notre collectivité, s'associe à l'enquête qui sera faite par le CIG. Alors, c'est une prise d'acte qui ne veut pas dire que ça nous engage d'un point de vue de la décision, de ce que nous ferions à l'issue de cette étape-là. Et donc, vous avez tous les éléments. J'attire juste l'attention, parce que c'est quelque chose qui est nouveau, c'est que ça bouge beaucoup. Il y a eu la loi qui est sortie, il y a des ordonnances, mais il y a aussi le fait que le diable se niche dans les détails. Je finirai juste là-dessus. C'est que c'est une articulation. C'est pas seulement que l'enjeu, c'est pas simplement la participation de la commune aux frais que pourraient engager les agents à titre individuel ou si un contrat collectif, mais c'est aussi de regarder de plus près les garanties de ressources, les garanties qui sont données d'un point de vue. Parce que si les garanties sont trop basses, c'est pas forcément très intéressant. Or, aujourd'hui, un certain nombre d'agents bénéficient
pour la territoriale, ils sont beaucoup à la MNT, pour les communes mutuelles. D'autres fonctions publiques ou d'autres corps sont sur d'autres choses. Mais il y a un risque potentiel d'avoir une participation financière peut-être plus importante des collectivités, mais avec des garanties plus basses. Ce qui fait que ça inquiète légitimement beaucoup de mutuelles et d'assurances ou d'instituts de prévoyance. Et donc, il y aura besoin de regarder ça. Ça va être un gros chantier à partir de, je dirais, septembre, octobre de cette année et qui va courir toute l'année prochaine. C'est des dossiers qui sont importants et qui vont concerner l'ensemble, d'ailleurs, des fonctionnaires de France. OK. Bon, des remarques ? Non, je n'en vois pas. Merci aussi, Frédéric, pour ce boulot et à l'administration. Qui s'abstient ? Qui est contre ? C'est un donné acte, d'accord, très bien. Vas-y Frédéric, c'est bon ? On y va alors. Ensuite, Monsieur Noailles. Oui, bonsoir. C'est une délibération qui nous propose d'approuver la convention tripartite pour l'année scolaire 2021-2022 relative à la facturation des frais de restauration scolaire d'un enfant extérieur à la commune de Corbeil-Essonne scolarisé dans l'unité d'enseignement maternel pour enfants avec autisme, l'UEMA, située au sein de l'école maternelle Simone Veil. Donc c'est une délibération classique. Cette structure UEMA a été ouverte à la rentrée 2020 en relation avec la CESAD et l'éducation nationale. Elle propose 7 places et parmi les 7 places, il y a un enfant qui est domicilié à Ris-Orangis et qui est scolarisé dans cette structure. Pourquoi ? Parce que en 2020, la structure de Ris-Orangis a fermé. Et comme la structure de Corbeil-Essonne était souveraine et qu'il n'avait pas 7 enfants scolarisés, il a été acté avec l'éducation nationale, avec l'inspecteur en charge du secteur, de scolariser cet enfant de Ris-Orangis. Et donc, il est demandé, comme pour toute scolarisation d'enfants n'habitant pas Corbeil, eh bien de passer une délibération pour que la famille et la commune de Ris-Orangis puissent s'acquitter du prix du repas. Voilà, il convient donc de rappeler, on applique, voilà, c'est tout, hein, c'est une délibération totalement classique. L'enfant étant toujours scolarisé au sein de l'UMA, il convient de conclure une nouvelle convention tripartite pour l'année scolaire 2021-2022. Voilà. Pas de remarques particulières. Tout le monde est pour. Merci Michel. Merci, donc tout le monde est pour. À toi, Oscar. Bon, bonsoir à toutes et à tous. Donc moi, je vais présenter l'organisation de la 10e édition du Festival photographique L'œil urbain. Alors, bon, juste une petite parenthèse avant. Je me souviens, Elsa, qui avait demandé une fois de passer les délibérations, on va dire, paisibles avant. Bon, ce serait bien pour que les gens puissent suivre le conseil et pas être indigné par des discussions un peu ridicules de bac à sable. On est là pour monter le niveau quand même, sinon il ne faut pas s'étonner non plus que les gens se désintéressent de la cause publique. Et je pense que vraiment, vous n'avez pas démontré un niveau suffisant pour vraiment assister à ce genre de réunion. Mais bon, je dis ça parce que il n'y a pas que vous qui vous énervez, et ça peut énerver tout le monde d'avoir vos réactions, et ce n'était pas pour lancer un débat. Je voulais juste mettre ce point sur la table. Donc voilà, on va parler maintenant des 10 ans de l'œil urbain. Donc les 10 ans, c'est une fête, donc on va profiter pour apprécier le moment. Donc pour les 10 ans, on va avoir un invité exceptionnel, enfin un artiste exceptionnel avec William Klein. Donc on va avoir cette année Corbeil-Essonne dans la presse pour des raisons... presque pour des raisons nationales, voire internationales, parce que William Klein, c'est le monde entier. Donc voilà, on est très, très contents pour ces 10 ans. Donc on a en plus une volonté de travailler vraiment avec l'ensemble des acteurs de la ville, des quartiers de la ville. Et voilà, et avec le théâtre, le cinéma, enfin voilà, c'est toute la ville qui va se mettre... dans la 10e édition du festival, qui va porter cette année sur l'engagement. Donc en plus, l'engagement, un sujet qui nous tient à cœur. Et donc voilà, donc c'est très bien, on va faire un beau festival. Et donc la présente délibération a pour objet d'approuver l'organisation de la 10e édition du festival photographique L'œil urbain, ainsi que la prise en charge des différents frais inhérents à cet événement, ainsi que la convention cadre de partenariat pour la réalisation et la mise en place des différentes expositions.
Donc voilà, y a-t-il des questions ? Des questions, l'œil urbain, les 10 ans, une grande édition. Travaillons d'ailleurs à ce que cette édition soit aussi, au-delà du budget municipal, financée par les entreprises et les promoteurs qui agissent sur Corbeil, pour leur prendre de l'argent, non pas pour se les mettre dans nos poches, mais financer la culture à Corbeil-Essonne. Tout le monde est pour, pas d'abstention pour l'œil urbain. Merci à vous. C'est encore toi, Oscar, je crois. Oui. Oui, alors ça, c'est une délibération qui porte sur l'attribution du marché public pour l'acquisition des livres non scolaires et de documents imprimés. Donc voilà, pour satisfaire les besoins de la commune de Corbeil-Essonne en livres non scolaires et documents imprimés, et compte tenu du coût prévisionnel des achats à réaliser, une procédure d'appel d'offres ouvert a été lancée. Les caractéristiques principales du marché sont précisées dans la notice explicative. Par conséquent, il est demandé au Conseil municipal d'approuver l'attribution des 4 lots aux entreprises mentionnées dans la délibération qui ont présenté les offres les plus économiquement avantageuses et d'autoriser Monsieur le maire à signer les accords cadres correspondants. Merci, Oscar. Ouais, y a-t-il des questions ? Ça n'appelle pas de questions. Voilà. Tout le monde est pour. Je te remercie. Tout le monde est pour. Voilà. Oui, ça, au moins, ça passe tout seul. Voilà. Très bien. Dans la douceur. Madame Louz, dernière délibération avant les questions. Enfin, encore. Donc, approbation de la convention de mise à disposition à titre gratuit d'un local municipal au profit de l'association Voisins Moulin Galant. Donc, dans le cadre du développement de la vie associative à Corbeil-Essonne, il est proposé au conseil municipal d'autoriser la mise à disposition à titre gratuit d'un local municipal situé 2 rue Raymond Bruneau à Corbeil-Essonne, au profit de l'association Voisins Moulin Galant et d'approuver la convention correspondante. Si des élus sont membres du conseil d'administration ou du bureau de cette association, je les invite à se retirer pour l'étude et le vote de ce point. Ils peuvent rester dans la salle, mais ils ne prennent pas part au vote. Voilà. Y a-t-il des questions ? Tout le monde est pour aider qui s'abstient ? Cette belle association. Qui est contre ? Tout le monde est pour. Qui est pour ? Merci. Merci. Alors, rapidement, 3 questions. Je la lis. La première, du groupe Corbeil-Essonne au cœur. Aménagement de la place du Comte-Aymon. Monsieur le maire, vous avez demandé au service de GPS de modifier le projet d'aménagement de la place du Comte-Aymon. Ce projet, à l'origine, avait été estimé à 2 millions d'euros. Avec vos modifications, le montant atteint désormais tout à fait 4,5 millions d'euros. Comment pouvez-vous justifier une telle plus-value ? Quelles sont vos modifications ? La rénovation de la halle du marché est-elle prévue ? Avez-vous concerté la population, les commerçants et les exposants de notre marché ? La somme supplémentaire induite aurait pu servir pour rénover nos voiries communautaires qui en ont grandement besoin. Au détriment de quels travaux avez-vous privilégié cette augmentation de dépenses ? Nous vous répondons que les travaux de la place du Comte-Aymon bénéficiaient d'une enveloppe prévisionnelle de financement par Grand Paris Sud et consistaient en la reprise sommaire de la place. La nouvelle équipe municipale, porteuse d'une ambition plus forte sur le devenir de cette place, a engagé une concertation auprès de tous les commerçants ainsi que des usagers. Suite de cette concertation, le projet a fait l'objet d'une renégociation avec Grand Paris Sud, tant sur l'enveloppe des travaux que sur le choix de l'ingénierie chargée de la définition de la programmation des travaux, permettant de mieux répondre aux enjeux stratégiques de centralité de cette place en lien avec les grands projets du centre-ville. Dans le cadre du marché de maîtrise d'œuvre piloté par Grand Paris Sud, la commune a fait ajouter à son cahier des charges une nouvelle phase de concertation approfondie qui débutera dans les semaines qui viennent. Le coût des travaux s'élève maintenant à 3 872 000 euros hors taxes financés par GPS. Cette opération bénéficiera aussi d'un financement dans le cadre du projet partenarial d'aménagement qui va être signé avec l'État et la région. J'ai annoncé que nous avons obtenu 1,5 million d'euros de plus de l'État. La rénovation de la halle du marché est prévue et inscrite à la PPI de la commune dans le même calendrier que la place du Comte-Aymon, à savoir début des travaux en 2023. Nous aurons donc une halle toute neuve et une place du marché toute neuve, début des travaux dans ce mandat. C'est une chance en 2023. Et on travaillera avec les commerçants, évidemment, non sédentaires, sur le déménagement du marché le temps des travaux. Et nous avons fait en même temps, évidemment, la prévision des travaux de la halle et de la place pour que les commerçants ne déménagent pas deux fois, mais une seule, avant de revenir occuper cette belle place, qui est effectivement dans un état aujourd'hui déplorable, avec des risques de chute, etc. Mais donc, on attendra maintenant
un an et demi pour les travaux. Toujours Corbeil-Essonne au cœur, politique des subventions aux associations sportives. Monsieur le maire, nous avons appris l'existence d'un second club de boxe anglaise à Corbeil-Essonne. Nous sommes surpris que la ville subventionne deux clubs qui proposent la même activité sportive, donc concurrente, et qui, de plus, doivent partager les mêmes locaux. Pouvez-vous nous préciser votre politique en matière de subventions aux associations sportives ? Je réponds d'abord donc sur la boxe anglaise. C'est bien créé dans notre ville donc, un second club. Il s'appelle l'ASCE Boxing Club. Ce club émane en partie du club de l'ASCE Boxe Anglaise suite à la volonté de bénévoles et d'entraîneurs de donner une dimension de haut niveau en complémentarité de l'offre déjà existante. Plusieurs nouveaux adhérents font partie de l'ASCE Boxing Club. Il est vrai que le particularisme d'avoir deux clubs sur la même ville peut être considéré comme une offre concurrentielle si celle-ci se partage le nombre de licenciés initial et les mêmes activités, ce qui n'est pas le cas puisque les effectifs sont en nette augmentation en pratiquant de boxe sur notre ville. Par ailleurs, comme vous le savez, nous sommes très attachés au respect de l'autonomie des associations. Il ne nous appartient pas de dire à des adhérents « créez pas de club », etc. C'est la liberté de la vie associative dans notre ville et une exigence démocratique. Aussi, plusieurs rencontres ont lieu avec les représentants des clubs pour échanger sur leurs projets et convenir d'une utilisation la plus optimale des lieux en matière de créneaux, permettant ainsi d'élargir l'offre vers plus de pratiquants. Ces aspects ont été conclus dans la concertation et nous permettent aujourd'hui d'écrire une nouvelle page d'histoire de la pratique de la boxe anglaise à Corbeil-Essonne. J'ai rencontré, d'ailleurs, je suis allé soutenir une compétition au gymnase de l'Anacelle samedi, où il y avait les deux clubs, d'ailleurs, pour un challenge départemental. J'y ai revu Marcel Giraudol, qui me disait que nous étions dans la centième année de la création, centième anniversaire de la boxe à Corbeil-Essonne, qui me sollicitait pour qu'on marque le coup, et je ne doute pas qu'avec Rénal Jourdain, on trouvera le moyen de célébrer ce centenaire. Cette nouvelle dynamique a permis d'allumer les projecteurs sur notre ville grâce à l'obtention de nouveaux titres obtenus. Vous trouverez ça dans le journal, vous l'avez vu en décembre dans le journal de la ville. Champion de France professionnel de M. Abdelmoudjid El Mouad Takil est celui de vice-champion de France amateur de Tahar Belkir en boxe anglaise. Nouvelle dynamique qui s'inscrit dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à Paris, qui devrait mobiliser beaucoup de nos habitants et faire rayonner Corbeil-Essonne à l'échelle internationale. Permettez-moi d'en profiter pour vous inviter. Nous sommes en train de finaliser ce projet d'un grand gala de boxe. J'ai recroisé d'ailleurs Mugit au NCA qui travaille d'arrache-pied pour qu'on ait un budget équilibré. 19 mars au Palais des Sports, on renoue avec une grande compétition de boxe et la participation des deux clubs. Enfin, des rencontres de la vie sportive, merci Rénal, vont être organisées sous la forme de table ronde pour échanger sur la politique sportive de notre ville. Je crois que c'est une première à partir du printemps. Tout le printemps, plusieurs tables rondes, des moments qui vont permettre de dégager des grandes priorités que nous souhaitons partager avec les associations en vue de définir par la suite les nouveaux contrats d'objectifs et de moyens pluriannuels. Comme vous le voyez, chers collègues, notre volonté de mettre en mouvement donc, tout ce qui contribuera à générer encore plus d'inscriptions nouvelles d'enfants, de jeunes, d'adultes dans les activités sportives de Corbeil-Essonne. Merci, Rénal, pour ton travail dans le domaine. Enfin, dernière question, l'ouverture du port Saint-Nicolas et à Repas. Le 18 janvier, vous avez annoncé l'ouverture au public des quais port Saint-Nicolas pour le mois de juin. Malgré vos engagements, vous n'avez pas consulté les riverains qui seront les premiers à souffrir de cette ouverture, des nuisances, des problèmes de sécurité, d'ordures, de rassemblements liés à la drogue, etc. etc. D'ailleurs, auriez-vous négocié le transfert des activités d'EDF pour un autre port ? Pour rappel, EDF s'installe sur les quais 6 à 8 fois par an pour une durée de 1 à 3 semaines avec tous leurs engins, chantiers, grues, etc. Ce port représente un intérêt stratégique pour EDF qui a signé en 2014 une convention avec Aropa pour 15 ans. En aval du terrain EDF, un quai à usage partagé a été créé pour des activités ponctuelles de transbordement, loisirs occasionnels et escales de mariniers. Les quais doivent impérativement être fermés la nuit. Les Corbeil-Essonnois sont très satisfaits de balades actuelles en bord de Seine et l'accès aux quais semble tout à fait inutile et entraînerait pour la commune des frais importants d'entretien, de nettoyage, de surveillance que les Corbeil-Essonnois devront finalement supporter. Par ailleurs, nous avons remarqué récemment qu'une moto
école y pratiquait ses activités qui leur a donné l'autorisation. Enfin, nous souhaitons avoir un compte-rendu de la réunion avec AROPA et EDF, ainsi que la convention que vous auriez signée. Réponse. La commune s'est engagée dans un projet de transformation de son centre-ville autour d'une double opportunité. Le projet Action Cœur de Ville, nous l'avons évoqué, dans lequel s'inscrivent les projets d'Hélio, notamment, et des Grands Moulins. Ça, c'est la première opportunité. La deuxième, c'est la réappropriation, qui est une volonté politique partagée par notre majorité, des espaces publics et de la nature, avec la requalification de la place du Comte-Aimont, en lien avec la Seine et l'Essonne, qui va permettre d'offrir en pleine ville des espaces de nature et d'eau. La réouverture de la ville sur la Seine entre, après les guinguettes, dans une nouvelle étape. Effectivement, et nous en sommes très fiers, l'ouverture aux habitants du port Saint-Nicolas. Nous avons changé d'équipe municipale, nous changeons de projet. Votre équipe ne souhaitait pas ouvrir le port, nous on le souhaite et on va le faire. Donc ce projet de réouverture du port est le fruit d'un partenariat entre AROPA et EDF. Et d'ailleurs, une réunion de l'ensemble des acteurs s'est tenue effectivement sur le site le 18 janvier. Alors écoutez, parce que c'est des annonces dont nous sommes fiers, la réouverture du site dans des conditions maîtrisées a été précisée. Une convention est en cours avec AROPA, est en cours d'élaboration. Elle passera d'ailleurs, vous aurez l'occasion de réintervenir, au conseil municipal. Une attention toute particulière a été portée sur les enjeux de sécurité d'usage du port. L'activité d'EDF, évidemment, est préservée et s'inscrira dans un dispositif d'aménagement du site dès que nécessaire. Donc, il n'y aura pas de transfert de l'activité d'EDF sur le port Saint-Nicolas. La sécurité du site sera renforcée par la demande faite par la commune d'une autorisation d'implantation de 3 caméras que nous avons... j'ai signé les courriers aujourd'hui, je crois. Au regard de l'article de la sécurité intérieure, L251.2, la transmission et l'enregistrement des images prises auront pour objet à titre principal la sécurisation du quai Jacques-Bourgoin, sécurité des personnes, secours à personne, prévention des atteintes aux biens, la prévention d'actes terroristes, voilà, les caméras serviront à tout ça, l'information complémentaire, voilà, seront données sur quand on installera ces caméras. Compte tenu du projet communal et de la configuration des lieux, ce système permettra d'apporter un soutien essentiel dans le domaine de la prévention contre les actes de malveillance. Il y aura aussi des caméras nomades situées sur des mâts qui aujourd'hui existent. Voilà, donc il y aura de la vidéosurveillance qui permettra de sécuriser tout cela. Je rencontre dans la semaine prochaine de nombreux résidents la copropriété. Le Windsor, je cherchais donc juste en face. Je les rencontre la semaine prochaine. Et voilà, donc et EDF et AROPA sont enchantés, parce que derrière EDF et AROPA, ce sont des ingénieurs, des techniciens. Ils sont venus donc il y a 15 jours. Ils étaient enchantés par notre projet. Ils ne comprenaient pas que 300 mètres de quai linéaire en plein centre-ville soient fermés au public, sincèrement. C'était une ineptie. Eux-mêmes me l'ont dit. Et donc, on est très content d'ouvrir, ce qui va permettre que, quasiment du centre-ville jusqu'au Coudray Monceau, il y aura une continuité piétonne et cyclable sur tout le linéaire de la Seine. Je travaille avec mes 3 collègues maires du Coudray Monceau, de Saint-Pierre-du-Perret, de Morsor-sur-Seine, à boucler un tour de la Seine entre le pont de Corbeil-Essonne et l'écluse. On travaille ceci avec notre amant Maxime, et puis il y a des projets avec je remercie Maxime qui nous a fait découvrir cette belle association de la péniche qui vient de passer une convention pour pouvoir être à quai de façon plus permanente au port Saint-Nicolas. Voilà, et puis on a d'autres projets, je vous le dis, puisque on souhaite évidemment garder notre bateau école avec lequel nous entretenons d'excellentes relations. Et je le remercie encore d'avoir permis pendant les guinguettes toutes ces traversées. Et on va le premier contact, je crois qu'une première réunion a eu lieu, puisque nous ambitionnons à la fois de le garder, mais de transformer ce bâtiment qui mérite d'être plus que rafraîchi. Et Hélène et d'autres pensent qu'il faut le garder, donc nous allons le garder. Et le projet, c'est d'en faire un restaurant. Et je vous en, voilà, vous pourrez les manger. J'ai entendu des Corbeil-Essonnois qui disaient, monsieur le maire, on peut même pas manger une glace à Corbeil-Essonne, et c'est vrai. Et notre ambition, c'est que
on puisse manger des huîtres, boire ce qu'on veut, et manger des glaces dans un beau restaurant qui sera dans ce bâtiment. Et donc, on est pressé d'inaugurer tout ça. Voilà notre projet politique. Voilà, merci à vous. Et puis, non, c'est fini. Ah, il y a une question encore ? Oui, une question. Oui, je voulais savoir quand est-ce que vous... Ah, d'accord. Vous ne l'avez pas écrite, madame, mais on va l'accepter. Non, non, c'est la même chose. Ah ! Oui. Bon. Attends, mais... Vas-y. Je voudrais savoir... Vous êtes des grands démocrates, allez-y, madame. Quand vous rencontrez les résidents de Windsor, à quelle date, s'il vous plaît ? Parce que, bon, moi, je ne suis pas au courant, j'habite Windsor, et je connais bien le conseil syndical, donc je ne suis pas au courant. Voilà. Bah alors, vous le connaissez bien, mais il ne vous a pas invité, je suis désolé, parce que moi, ils m'ont invité. J'ai une date la semaine prochaine, mais ce n'est pas à moi de la révéler. Si vous les connaissez bien, vous allez aller les voir, puis ils vont vous convier à la rencontre c'est avec monsieur, moi. C'est monsieur, madame ? Monsieur, madame ? Non, je ne sais pas, c'est quel nom ? C'est monsieur Etex. Monsieur Etex, c'est pas Windsor. Désolé. Oui, bah d'accord, c'est juste à côté. Ah, en bah c'est cas. Pas pareil. Mais par contre. Ah, ben bah donc. Oui, oui. Oui. Monsieur Etex m'a invité, je le rencontre la semaine prochaine avec une vingtaine d'habitants. Oui, oui. Voilà. Oh, mais Pascaline, si vous voulez que je rencontre avec vous l'autre conseil syndical, c'est un plaisir. Invitez-moi, je viendrai vous exposer tout ça et vous écouter. Ah, bah, allez-y. Certainement. Eh bien, invitez-moi. Parce que tous les résidents de Windsor sont très intéressés par ce projet. Eh bien, écoutez, il n'y a pas de problème. Oui. Il n'y a pas de problème. Non. Proposez-moi une date, je viendrai ou je vous reçois au NCA. D'accord ? Merci, Pascaline. D'accord. Bon, et par contre, je voulais redire aussi. Oui, l'ouverture du port, c'est très bien, mais bon, vous prenez des mesures de sécurité. C'est tout à sûr, fait. Mais cela va entraîner quand même des coûts pour la commune, des coûts très importants. Ça, vous en êtes conscient. Ah, ben bien sûr. Oui. Mais voilà, mais on assume. L'entretien, on assume. La c'est des dépenses utiles. Voilà. Oui. Bah, quand vous m'inviterez, je viendrai vous expliquer. Rendez-vous le 9 mars pour un conseil important sur les orientations budgétaires. Bonne soirée à vous, merci. Il y a le dernier magazine. Bonjour, un beau Joachim. Magazine en hommage à Roger Combrisson, si vous voulez, bientôt dans vos boîtes aux lettres. Voilà. Bonjour Joachim.